Excusez-moi, madame. Voilà, j'ai entendu une voix, mais c'est un énorme écho. C'est ça. On voulait juste vérifier que vous nous entendiez. Alors, je vous entends, mais je vous entends comme dans une chambre d'écho. Je vais couper de toute façon. Merci. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Madame, nous accueillons cet après-midi pour la poursuite de nos travaux de la commission d'enquête visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France. Madame Kosciusko-Morizet, normalement elle nous entend puisqu'elle est présente en visio. Ah ben voilà, formidable, j'en ai devant moi. Depuis New York où ses nouvelles activités l'ont conduite. Nous vous remercions, Madame Kosciusko-Morizet, d'avoir accepté de participer à nos travaux malgré la distance et de venir témoigner de vos fonctions ministérielles passées dans le domaine de l'écologie. Nous vous remercions d'accepter cet échange depuis les États-Unis malgré le décalage horaire qui fait, il me semble, qu'il est beaucoup plus tôt chez vous que chez nous. Au cours d'auditions précédentes, nous avons évidemment parlé des sujets français. L'Inflation Reduction Act a également été évoqué, laissant rêveur ou songeur, en fonction des points de vue, qu'il s'agisse de relocalisation, de transition énergétique ou bien parfois d'ajustement budgétaire. Voilà des sujets qui ont aussi un petit peu illustré nos travaux. Peut-être que votre position nous permettra de l'aborder en marge de nos échanges. La commission d'enquête que j'ai l'honneur de présider tente de comprendre le processus de décision aboutissant à la définition d'une politique énergétique, à ses objectifs, au degré de prise en compte de son caractère stratégique pour la souveraineté et l'indépendance d'un pays comme la France. Nous voulions pouvoir vous entendre partager avec nous votre expérience dans ce domaine. La répartition des attributions ministérielles entraînant parfois des enchevêtrements de compétences complexes à démêler, aussi bien après coup que dans l'exercice, j'imagine. Nous avons ainsi appris comment a évolué la compétence en matière minière et comment un observatoire peut en remplacer un autre créé 12 ans plus tôt. Je pense là au comité pour les métaux stratégiques institué par décret en 2011. Or, vous avez géré une partie du dossier complexe du gaz de schiste et ouvert le chantier de la réforme du code minier en votre temps.
Vous avez aussi participé à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. Nous avions à ce titre auditionné la semaine dernière Jean-Louis Borloo. Lorsque vous étiez député, vous avez observé le kilowattheure le moins cher, qui était celui que l'on ne consommait pas, et vous avez aussi considéré que les réacteurs à neutrons rapides répondaient à une logique écologique. Pouvez-vous ainsi, Madame la Ministre, nous indiquer la place et le rôle de la secrétaire d'État que vous avez été ou de la ministre chargée de l'écologie dans la définition des politiques publiques relatives à l'énergie ? Avant de vous laisser la parole pour un exposé liminaire, il me revient de vous demander de bien vouloir prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, en application des textes qui régissent la vie parlementaire. Voilà, je vous prie de bien vouloir vous plier à ce formalisme et puis je vous laisserai la parole. Je le jure. Merci beaucoup. Eh bien, je vous laisse la parole pour un propos liminaire. On va regarder tout droit, on vous voit aussi ici. Écoutez, merci Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés pour votre invitation et merci pour la souplesse qui permet de le faire en Zoom les semaines pendant lesquelles vous auditionnez, étaient des semaines pendant lesquelles je ne revenais pas à Paris, ce qui m'arrive quand même de temps en temps, mais pas celle-ci. J'ai reçu un questionnaire pour orienter le propos liminaire, donc j'ai pris bonne note des questions de la Commission. Je vais tâcher d'y répondre, à charge pour vous peut-être de prolonger par des questions si mes réponses ne touchaient pas complètement la cible. L'essentiel de mon activité comme secrétaire d'État, puis comme ministre sur les questions énergétiques, s'est organisé autour de trois pôles que vous avez esquissés. Dans votre propre propos liminaire, le Grenelle de l'environnement, en effet. Donc d'abord, sa conception et sa négociation quand j'étais secrétaire d'État en 2007-2008, et puis ensuite, sa mise en œuvre quand j'étais ministre entre 2010 et 2012. L'accident de Fukushima et la gestion de ses suites comme ministre en charge de la sûreté nucléaire entre 2010 et 2012. Et puis, d'autres sujets, des sujets de politique énergétique qui comportaient de manière évidente une dimension environnementale majeure, comme le gaz de schiste que vous avez évoqué entre 2006 et 2012. Je précise ça parce que certains sujets d'intérêt pour la Commission ne relevaient pas ou pas totalement de mes attributions. Par exemple, le nucléaire, comme la chasse, avait été sorti du champ du Grenelle. Ce qui ne veut pas dire que c'est un fait que le nucléaire fait partie du paysage énergétique français, mais il avait été décidé et accepté qu'il n'y aurait pas de groupe de négociation en tant que tel sur le nucléaire dans le Grenelle de l'environnement. Et par ailleurs, après, en 2010, quand j'ai repris le grand ministère, toute la dimension marché de l'énergie a été rattachée à Bercy pour des raisons qui d'ailleurs ne sont pas sans rapport avec les travaux de votre commission. Donc concrètement, si on s'intéresse au nucléaire, je me suis occupée du nucléaire sous l'angle de la sûreté comme ministre et en dehors du Grenelle. Ça ne m'empêche pas d'avoir un point de vue personnel sur certaines des questions qui ont été abordées par votre commission, mais je crois honnête de préciser qu'elles n'étaient pas, pour certaines, totalement dans mon champ ministériel. Donc, je vais reprendre, si vous voulez bien, les trois angles que je décrivais, qui sont ceux par lesquels j'ai abordé les politiques énergétiques, en commençant par le Grenelle. Alors, j'en parle avec certaine légitimité, si vous permettez, parce que j'ai conçu le projet dans la campagne de Nicolas Sarkozy, en fait en 2006. À l'époque, on a choisi le nom, qui faisait écho à une quête de légitimation que je ressentais dans les milieux d'ONG que je fréquentais, une quête de légitimation que je trouvais par ailleurs recevable. Les ONG aspiraient à avoir un statut qui soit l'équivalent de celui des syndicats. Et c'est la convergence entre cette demande et le désir de lancer un grand programme de transformation écologique qui a abouti au projet du Grenelle de l'environnement et notamment à ce nom Grenelle, donc qui rappelait de manière explicite les accords de Grenelle. C'est aussi en écho à cette demande de légitimation qu'ont été conçues d'autres mesures que vous trouviez dans
la campagne du candidat et futur président, par exemple la transformation du Conseil économique et social en Conseil économique, social et environnemental. Donc voilà, je me suis occupée de la conception du projet comme responsable de l'environnement, en fait, dans la campagne du candidat. Je me suis occupée de sa négociation comme secrétaire d'État essentiellement à l'automne 2007. Et puis finalement, quand je suis revenue au ministère en 2010, j'ai mené une partie de sa mise en œuvre, puisqu'à l'époque, les lois Grenelle avaient été votées, mais il restait largement à sortir toute la partie réglementaire. Et puis, il y avait toutes sortes de choses qui étaient par ailleurs non législatives ou réglementaires qu'il fallait tout simplement directement mettre en œuvre. J'en parle avec une petite légitimité, j'en parle aussi avec une certaine passion parce que je reste persuadée, plus de 10 ans après, que nous avons façonné une démarche qui était à la fois innovante et utile et qui a permis de déchirer quelques-uns de ces corsets dans lesquels on enferme ou s'enferme ou se trouve enfermé les politiques publiques, de sortir un certain nombre d'acteurs de leur posture, ça leur faisait du bien, ça faisait du bien à tout le monde. Et tout ça, je crois, pour le meilleur bénéfice des politiques environnementales et même du pays. Donc la méthode du Grenelle, c'était de mettre tout le monde autour de la table, dans des collèges, on appelle ça des collèges, les ONG, l'État, les élus, les entreprises, les syndicats, et de s'accorder sur des politiques coopératives qui dépassent les querelles historiques. C'est une des raisons pour lesquelles on avait d'emblée sorti certains sujets du Grenelle. Je citais le nucléaire, la chasse et les OGM, parce qu'on savait qu'en fait, il était peu probable qu'on parvienne à des politiques coopératives sur le sujet. Les questions énergétiques dans le Grenelle étaient plus particulièrement traitées par le groupe 1. Donc les négociations étaient réparties entre différents groupes de travail auxquels participaient tous les collèges que j'ai cités. Donc le groupe 1 s'appelait « Lutter contre les changements climatiques et maîtriser la demande d'énergie ». Et il y avait des ateliers à l'intérieur de ce groupe. Il y avait l'atelier transport, il y avait l'atelier urbanisme et bâtiment, il y avait l'atelier production et stockage. Je cite ce fait parce que je pense que le seul titre de ce groupe 1 répond en creux à certaines de la commission, à certaines des questions de la commission pour la période 2007-2012, pendant laquelle l'efficacité énergétique et la maîtrise de la consommation ont été sur le devant de la scène et en tout cas au cœur des travaux du Grenelle. Ce qui ne veut pas dire, j'y reviendrai, qu'on n'a pas parlé ou travaillé sur la production, mais enfin, c'était en quelque sorte second. On a fait beaucoup sur le sujet de l'efficacité énergétique dans le cadre de ce groupe que j'ai cité, comme dans le cadre d'ailleurs des groupes transport, des groupes bâtiments. Je peux citer quelques mesures qui rappelleront des souvenirs, peut-être pour dresser un peu la scène. Le bonus-malus sur les véhicules individuels, l'éco-taxe sur le transport routier, qui était une des choses auxquelles j'ai beaucoup travaillé, qui a malheureusement été abandonnée par la suite pour de très mauvaises raisons, que je déplore. La nouvelle réglementation thermique sur les bâtiments, l'éco-prêt sur le logement social, citer que quelques mesures structurantes qui ont été conçues et mises en œuvre dans cette période de 5 ans. Parmi toutes ces mesures d'efficacité énergétique, il y en a quelques-unes qui concernent de plus près l'objet de votre commission. D'une certaine manière, toutes les mesures qui ont un impact sur l'efficacité énergétique me semblent pertinentes en fait, pour votre objet, mais il y en a quelques-unes qui ont probablement un impact plus net, et elles ont souvent été portées par l'ADEME. On a profité du Grenelle de l'environnement pour revivifier un peu l'ADEME, lui donner une direction, je ne parle pas de personne, je parle de direction au sens d'orientation stratégique, lui donner une orientation stratégique plus claire et lui donner des nouveaux moyens. Je vais en citer trois. Le fonds démonstrateur, c'était quelque chose qui existait sous une forme. Il y avait un embryon de ça, mais c'était 50 millions en 2008, c'est passé à 400 millions sur 4 ans, c'était destiné à faire passer à la phase d'industrialisation des innovations, donc notamment certaines dans le domaine énergétique. On a lancé le fonds chaleur, qui lui n'existait pas, il n'y avait carrément pas d'embryon de ça, avec 1 milliard sur la période 2009-2011, un fonds largement destiné aux entreprises pour développer la chaleur renouvelable, les réseaux de chaleur, la valorisation de la biomasse.
on a relancé le fonds déchets et surtout on l'a réorienté parce qu'il était essentiellement consacré à l'aide aux incinérateurs et on l'a réorienté vers des projets qui faisaient meilleure place au recyclage. Alors encore une fois, tout ça ne signifie pas qu'on ne s'est pas occupé de production d'énergie dans le Grenelle, mais le sujet venait clairement après un objectif affiché qui était d'abord de se concentrer sur la maîtrise de la consommation. En matière de production, donc, on en a quand même parlé, on a visé un doublement de la part des ENR d'ici 2020. Comme vous savez, un doublement, c'est en fait très ambitieux parce que tous ces calculs prennent en compte la part de l'hydroélectricité. Donc c'est un beaucoup plus que doublement des énergies renouvelables hors hydroélectricité. Si on rentre dans le détail de ce doublement, il y avait la multiplication par deux du bois énergie, il y avait beaucoup de choses sur les réseaux de chaleur, il y avait bien sûr du photovoltaïque. Un quart de tout ça devait passer par le fonds chaleur dont j'ai parlé précisément. Et par exemple, on multipliait par 5 les compléments qui étaient adoptés au contrat de plan État-région. Donc, il y avait des aides puissantes sur ce sujet. Il y avait aussi des mesures non directement financières, budgétaires, d'aide. Par exemple, on a étendu à toutes les collectivités et plus seulement aux communes la possibilité de bénéficier du tarif de rachat d'énergie renouvelable. Alors, ça a l'air de rien, mais ça permettait, comme vous savez, de faire entrer les collèges, les lycées, ce genre d'institutions dans le champ de cette nouvelle politique publique. C'est peut-être le moment d'aborder une dimension qui a véritablement fait mon obsession à moi, en tout cas lors du Grenelle de l'environnement, tout au long du Grenelle, et d'ailleurs au-delà du Grenelle, dans l'ensemble de ma pratique ministérielle, et dont j'ai eu l'impression qu'elle était peu présente dans vos travaux, ce que je peux comprendre d'ailleurs, parce que c'est pas, même si je trouve que c'est important, que ça devrait avoir une place, comme par ailleurs l'efficacité énergétique. Et il s'agit du couplage des objectifs environnementaux avec la politique en faveur de l'emploi, comme du couplage de la politique énergétique avec la politique industrielle ou avec ce qu'il en reste. Si je me réfère au titre de votre commission, et je crois que ça a été évoqué, l'indépendance énergétique, stricto sensu, c'est sans doute inatteignable, enfin, c'est quelque chose d'un peu fantasmé. La souveraineté, c'est un concept important, c'est un concept un peu subjectif et qu'un concept qui est fortement corrélé avec d'autres dimensions comme la compétitivité. Et je crois important dans tout ça que les politiques énergétiques, qui sont tellement centrales dans une économie, aient un sens au-delà de celui qu'on cherche ici, un sens économique, social, industriel. Et comme je le disais, ça a été mon obsession dans le Grenelle, au-delà des objectifs environnementaux, tisser des liens. Et c'était cohérent avec ce que je décrivais tout à l'heure, de mettre tous les collèges autour de la table, les syndicats, les entreprises. Ce n'était pas juste une série de mesures environnementales, c'était une politique globale qui tissait des liens vers l'économique, vers le social, vers d'autres dimensions. Et on a eu des réussites en la matière, par exemple les 10 000 emplois créés par le fonds Faleur. Et à ce titre, je suis particulièrement fière de la politique en faveur de l'éolien en mer que j'ai lancée de mémoire au début 2011, franchement de la moquerie générale à l'époque. Alors maintenant, comme les beaux bébés, elle a beaucoup de pères revendiqués. Et je pense qu'elle est intéressante parce qu'elle dessine aussi en creux d'autres échecs, d'autres politiques qui ont été moins faciles. Ce qu'on a fait pour l'éolien en mer, c'est qu'on a fait des appels d'offres très travaillés, sur lesquels la Commission européenne a largement fermé les yeux. On a intégré des critères de production locale sur lesquels la France a tenu bon. Et on a réussi à travers ça à développer une vraie base de production française et européenne, une vraie industrie de production locale. Et je disais que c'était important parce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels on a eu moins de succès, par exemple sur l'éolien terrestre.
sur les, en matière industrielle, hein, j'entends, sur l'éolien terrestre, probablement parce qu'on partait plus tard, que les volumes français étaient faibles au regard du marché européen. Ce sont les Allemands et les Danois qui ont été les grands bénéficiaires de la montée en puissance de l'éolien terrestre en termes industriels. Sur le solaire, on a fait le moratoire, moi j'ai fait le moratoire, pour des raisons financières comme tous les États européens, mais aussi pour des raisons industrielles, parce qu'en fait, telle qu'elle avait été mise en place, la politique en faveur du solaire, c'était beaucoup de subventions payées largement sur les générations futures, parce que c'était des subventions, c'était un cadre de subventions dans le long terme, qui profitait à des emplois qui étaient seulement des emplois d'installation et de maintenance, sans développement d'une base industrielle, puisque c'était largement et même de plus en plus des panneaux importés. Donc on a remis ça à plat, en faisant des appels d'offres avec des critères bas carbone, pour favoriser la production locale. On a même mis en place un critère de bilan carbone pour essayer de contourner les règles de l'Organisation mondiale du commerce et de limiter les importations de panneaux chinois et d'essayer de booster un peu l'industrie nationale. Donc, on prenait en compte dans l'évaluation du bilan carbone d'un champ solaire, on prenait en compte l'impact carbone, par exemple, de la production, mais aussi du transport de ces panneaux depuis sa base de production. Ça a moins bien marché que pour l'éolien en mer. Et j'ai vu, au fil des années, j'ai vu que les appels d'offres, en fait, se faisaient de plus en plus sans ces critères bas carbone. J'étais plus en charge, mais les gens auxquels j'en ai parlé m'ont dit que la Commission européenne avait été très dure sur ce sujet. Probablement plusieurs raisons. L'éolien en mer, c'est plus gros, donc c'est plus facile d'avoir des critères de localisation, les justifier. Il y a un critère de maturité. L'éolien en mer, c'était émergent. La Commission européenne a été sensible à l'argument. C'est émergent, on a besoin d'avoir une base locale. Et puis, on bénéficiait aussi de la géographie, puisqu'on a un plateau continental très plat. Et donc, il y avait un sens particulier à développer une industrie nationale, disons, de l'éolien en mer. Je note d'ailleurs qu'on est en train de poursuivre la même voie que celle qu'on a engagée sur l'éolien en mer avec l'éolien flottant, ce qui est bien si c'était confirmé. Votre questionnaire comportait une question spécifique sur les investissements dans la recherche et dans les énergies renouvelables. Il y a deux poches d'investissement qui me semble pertinente pour répondre à cette question. D'abord, dans le cadre du Grenelle de l'environnement. Alors, c'est assez curieux, mais dans le cadre du Grenelle de l'environnement, en matière d'énergie, l'essentiel des crédits, vraiment des crédits directs, je ne parle pas des appels d'offres qu'on a lancés après, des politiques de soutien aux énergies renouvelables, etc., mais l'essentiel des subventions directes sont allés au nucléaire. Précisément au projet Astrid, au réacteur Horowitz. Il y a eu un petit peu sur les déchets radioactifs, je crois qu'il y a eu un petit peu sur l'ANDRA, les méthodes innovantes de gestion de déchets, peut-être un petit peu sur l'IRSN. Enfin, c'était 1 milliard en tout, et en matière d'investissement dans la recherche, d'investissement direct dans la recherche, c'était pour l'essentiel de la recherche en matière de nucléaire. Je disais qu'on peut considérer que c'est une bizarrerie parce que j'ai dit plutôt que le nucléaire ne faisait pas partie du Grenelle. Le nucléaire ne faisait pas partie des sujets de négociation du Grenelle, mais les programmes d'investissement eux-mêmes étaient des programmes publics qui n'ont pas à proprement parler été discutés dans les groupes de travail, qui étaient plutôt des choix consulaires de l'État, ce qui explique cette particularité. Il y a eu des choses hors nucléaire en matière de recherche néanmoins dans le Grenelle. J'ai cité par ailleurs le fonds démonstrateur de l'ADEME, dans lequel il y avait des projets d'énergie nouvelle. Et puis, je me suis personnellement occupée d'investissements dans la recherche et les ENR en dehors du Grenelle, par exemple à travers le PIA, le programme d'investissement d'avenir,
dans lequel on a fait, à l'époque, de l'économie circulaire, on a fait des démonstrateurs sur les smart grids, les batteries, les procédés industriels moins polluants, comme la récupération de, autour de la récupération de chaleur, des constructions performantes énergétiquement. En fait, on a fait beaucoup de choses dans le cadre du PIA à l'époque sur les économies d'énergie. Ce que je crois qu'après, ça a été un petit peu réorienté. Et justement, il y a eu plus d'éolien en mer, il y a eu plus de flotteurs, il y a eu plus d'hydrogène. Mais à l'époque, les moyens du PIA en matière énergétique étaient en cohérence d'ailleurs avec ce qu'on faisait avec le Grenelle, assez fortement orientés sur l'efficacité énergétique. Je vous ai parlé ici de tout ce qui, dans le Grenelle, me semblait pertinent pour répondre à vos questions. Comme j'ai dit en introduction, la régulation du marché, les grands opérateurs de l'énergie n'étaient pas de mon ressort. Ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas interagi avec eux, mais avec d'autres lentilles, et notamment sur la question de la production et des nouveaux carburants et sur celle du gaz de schiste. Donc, c'est un deuxième volet. Et vous l'avez signalé conséquemment aux travaux sur le gaz de schiste, le lancement de la réforme du code minier. Je suis intervenue sur le gaz de schiste vraiment avec la casquette environnementale, considérant que les conditions d'exploitation à l'époque ne remplissaient pas nos critères de qualité, qui posaient aussi des problèmes propres à notre géographie. Je ne vais pas vous refaire les débats de l'époque qui ont été assez denses et agités. Mais il y avait à la fois donc des critères environnementaux, beaucoup d'arguments autour de la protection des nappes phréatiques, autour de la protection des ressources en eau. Je considère d'ailleurs que les récentes évolutions sur le front de la ressource en eau nous donnent totalement raison si certains avaient un doute. Et donc ça a été des motifs pour suspendre, en fait annuler les permis sur le gaz de schiste. Et puis subséquemment, on s'est rendu compte que ces permis avaient été donnés dans des conditions qui étaient certes légales, mais étaient quand même problématiques au regard des nouvelles exigences de l'esprit du Grenelle, par exemple, en matière de transparence, parce que le code minier procédait de logique qui était ancienne à cet égard. Et donc, on a subséquemment lancé une réforme du code minier. Pour finir, donc je vous ai parlé du Grenelle de l'environnement, je vous ai parlé de sujets énergétiques hors Grenelle, par exemple, le gaz de schiste et la réforme du code minier. Pour finir, je peux vous dire un mot en réponse à vos questions sur la sûreté nucléaire et sur les conséquences de l'accident de Fukushima. Alors, pour le coup, ce sont des sujets qui relevaient totalement des attributions dans la période 2010-2012, totalement et exclusivement. Donc, l'accident de Fukushima a eu lieu en mars 2011. Il a suscité un certain nombre de réactions de réflexion sur sa prise en compte, ce qui est tout à fait normal. Hein. C'est normal et sain qu'un accident appelle un retour d'expérience et éventuellement un ajustement. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois. La création de l'autorité de sûreté nucléaire, l'ASN, dans sa forme actuelle, a été une conséquence tardive de Tchernobyl et de tous les débats et même les polémiques qui ont suivi Tchernobyl. Après l'accident de Fukushima, c'est pas tant la gouvernance, comme ça avait été le cas pour Tchernobyl, vous vous souvenez, il y avait eu tout ce débat sur la transparence, en fait, sur la communication aux populations après Tchernobyl. Après l'accident de Fukushima, c'est pas tellement là qu'il y a eu polémique, débat, et finalement, c'est pas la gouvernance qui a réclamé un ajustement. Et de fait, d'ailleurs, l'accident de Fukushima a mis en évidence le contraste entre le système français et la situation japonaise, où la société TEPCO, qui était exploitante du site, était totalement imbriquée dans les rouages de l'État et de la sûreté. Moi, ça m'avait énormément frappé lors d'un voyage que j'ai fait quelques semaines après l'accident de Fukushima pour rencontrer les homologues. Il y avait vraiment une imbrication complète entre production, sûreté et puissance publique.
gouvernementale. L'accident, d'une certaine manière, a mis en reflet, a mis en lumière, par contraste, la validité du système français qui avait été reconstruit, hein, modifié après Tchernobyl, d'une autorité totalement indépendante, une chaîne de décisions très structurée. Donc rien de spécifique, pas de remise en cause fondamentale sur la gouvernance. En revanche, des réflexions sur des mesures techniques, mais un peu techniques, un peu plus substantielles que ça, le mot technique est peut-être un peu faible, notamment liées à la notion de suraccident, puisque l'accident de Fukushima, c'est ça, c'est l'histoire d'un accident qui entraîne un autre accident et d'accidents qui s'enchaînent les uns les autres. La notion de suraccident et la notion du coup de management dans le temps, de gestion dans le temps de la dynamique d'un accident. Donc concrètement, ce qu'on a fait après l'accident de Fukushima est une analyse qu'on a essayé d'avoir la plus complète, rapide sur la base d'informations qu'on avait, qui n'était pas, c'est pas très facile hein, parce que la transparence était quand même loin d'être parfaite autour de cet accident. Concrètement, ce qu'on a fait, c'est que j'ai demandé très vite à l'autorité de sûreté nucléaire des stress tests qu'on a appelés les évaluations complémentaires de sécurité. C'est évidemment, c'est complètement différent d'un sujet qui, je crois, fait l'objet d'une partie de vos débats, des visites décennales, évidemment. D'ailleurs, à l'époque, on avait déjà lancé le travail sur le cahier des charges pour les visites décennales, y compris les améliorations planifiées. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu une prise en compte dans le travail sur les visites décennales par la suite du retour d'expérience de l'accident de Fukushima, mais disons qu'il y a deux... Il y a des temps différents, donc il y a eu un temps de réponse à la crise, de réponse rapide, qui a été, juste après l'accident, de demander des stress tests. La façon dont ça s'est fait, c'est que l'autorité de sûreté nucléaire a produit un cahier des charges qui était très directement ciblé sur l'accident et qui appelait à tirer les conséquences de l'accident. Donc, dans ce cahier des charges, on parlait inondation, tremblement de terre, perte d'approvisionnement électrique dans une configuration d'accident, quelle qu'en soit l'origine, au niveau d'un site de production nucléaire, management opérationnel de la crise. Et donc, l'ASN a produit un cahier des charges qui autour de ces notions-là, l'opérateur, donc EDF, a été chargé de mener des stress tests sur la base de ce cahier des charges. Ces stress tests ces évaluations ont été rendues rapidement à l'automne 2011 et ont provoqué un train de mesures destiné à accroître la robustesse de notre dispositif en situation de crise. Donc certaines très évidentes, comme par exemple un générateur diesel par réacteur, résistant, ça veut dire mis dans des... C'est une ingénierie particulière, en fait, pour qu'il soit résistant à certains types de tremblements de terre, d'inondations, de tornades. La duplication des stockages d'eau pour les plus gros réacteurs du parc. Le renforcement des piscines, vous savez, dans lesquelles on stocke les déchets sur site, qui avait été un des problèmes à Fukushima. Et ça, c'était des mesures techniques rapides. Et puis, il y en avait d'autres qui étaient peut-être un petit peu plus sophistiquées et qui visaient à tirer les conséquences de ce qu'avait été l'enchaînement de l'accident de Fukushima dans la durée. Par exemple, la mise en place de forces projetées, qu'on a appelées les FARN, les forces d'action rapide du nucléaire. Ça, c'était une conséquence de ce qu'on avait vu à Fukushima, qui était que sur le site, les opérateurs se sont retrouvés isolés, coupés du monde, et il n'y avait pas vraiment de... Il n'y avait pas de commando d'ingénierie d'urgence capable de venir les renforcer. Enfin, tout ça n'était pas vraiment organisé, anticipé. On a aussi demandé des constructions plus résistantes
pour les équipes qui gèrent l'accident sur le site, ça aussi, c'est une conséquence directe de Fukushima. Un des problèmes de Fukushima, c'est que les opérateurs qui sont restés sur le site se sont retrouvés très exposés parce que toute cette partie-là, en fait, la gestion dans la durée de l'accident avait pas été bien conçue. Ça, c'était au niveau national. On a aussi lancé une revue par les pairs en Europe. Et puis, je disais, on avait avant lancé la conception du cahier des charges des visites décennales. Et donc, il y a eu par la suite l'insertion dans les revues décennales de nouvelles prescriptions. Et j'en finis par là, c'est une différence intéressante entre la doctrine française en matière de sûreté nucléaire et d'autres pays, par exemple aux États-Unis, ils ne font pas ça. Nous, en France, on considère que qu'on doit pouvoir améliorer au fil du temps du progrès technologique le niveau de sûreté nucléaire, y compris pour un réacteur existant. Donc, par exemple, les visites décennales prévoient la mise à niveau d'un réacteur dans la mesure du possible, avec un niveau de sûreté au plus proche de ce qu'on pourrait attendre d'une troisième génération, alors même qu'on parle de réacteurs de deuxième génération. Je souligne parce que d'une certaine manière, là ça va au-delà de la question technique, il y a une dimension politique dans ce choix. Aux États-Unis, ils ne font pas ça comme ça. Aux États-Unis, leur visite, c'est le maintien d'un niveau de sûreté qui était prévu au moment du lancement de l'exploitation du dit réacteur, mais ce n'est pas la montée en puissance, en quelque sorte, du niveau de sûreté au fil du temps. Ça a eu des conséquences, ce que je dis là, par exemple, sur les réflexions, en tout cas dans la partie technique, parce qu'en fait, l'essence de la vérité, c'est que ça a été essentiellement politique, mais dans la partie technique de ces réflexions, ça a eu des conséquences sur les discussions autour de la centrale de Fessenheim. Voilà, pardon, je suis consciente que j'ai fait un propos liminaire un peu long, mais vous aviez beaucoup de questions. Et donc, j'arrête, je suis à vous. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Aucune difficulté sur la durée du propos liminaire, bien au contraire, je crois que c'est ce qui nous permet aussi d'entrer dans le sujet et dans la période pendant laquelle vous avez exercé vos responsabilités. J'aurais du coup une première série de questions qui est vraiment propre au Grenelle. Avec un sujet que vous avez abordé, qui était finalement, de ce que je comprends de vos propos liminaires, quasiment un objectif du Grenelle, c'est-à-dire de mettre autour de la table et de légitimer dans le tour de table des acteurs qui, jusque-là, n'étaient pas forcément dans les institutions publiques, donc les ONG environnementales, on pourra tout à l'heure parler de leur qualification. C'est quelque chose que les syndicats ont abordé lorsque nous les avons auditionnés, avec une forme de regret, non pas en regrettant leur position dans le tour de table, mais en soulignant la différence qu'il y avait entre des syndicats qui doivent faire preuve, la preuve de leur représentativité avant d'être dans le tour de table, et des ONG qui, finalement, sont là, peut-être un peu par une logique plus arbitraire. Est-ce que vous avez un point de vue de ce point de vue-là, peut-être de la raison pour laquelle ça s'est fait comme ça et des éventuels correctifs qu'il faudrait apporter? Alors, je comprends très bien le propos et c'était un choix politique qui a été fait de faire monter en quelque sorte les ONG environnementales à un nouveau niveau de légitimité qu'ils n'avaient jamais atteint. Ça, c'était notre choix politique. Et du côté des ONG environnementales, il y avait explicitement la demande d'être pris en compte de la même manière que les syndicats. C'est vraiment ce que vous dites est tout à fait juste, et ce que disent les syndicats est tout à fait juste. Et d'ailleurs, il y a eu des tensions, hein, y compris à l'époque, des tensions assez explicites, parce que c'était une revendication des ONG d'être
considérer, y compris au sens de la considération, vous voyez, de la même manière que les syndicats, d'être consultés. Alors, ça prenait d'ailleurs une variété de formes, cette espèce de revendication. Il y avait une dimension très symbolique. On voudrait être officiellement consulté quand il y a, comme dans une négociation sociale, il y avait des dimensions quasiment plus logistiques avec des ONG qui disaient « Mais attendez, nous, on n'a pas de moyens, on n'a pas tous les systèmes, les comités d'entreprise et machin. On nous demande de venir pour discuter à Paris dans telle ou telle consultation. On nous défraie même pas. On n'a pas de perdants. » Vous voyez, il y avait vraiment toute une variété d'arguments plus ou moins substantiels et plus ou moins relevés. Mais oui, la demande était explicitement d'être traitée, mais aussi considérée comme un syndicat. Et le mot Grenelle faisait écho totalement, explicitement, à cette demande-là. Il y a une ONG qui a été très… Pardon, j'ai un peu de franglais dans la tête, j'allais dire instrumental, c'est pas du tout français, qui a tenu une place importante dans la conception du Grenelle de l'environnement, dans le choix du mot Grenelle pendant la campagne de 2006-2007. Elle s'appelait Écologie sans frontières. C'était une toute petite ONG avec des leaders qui avaient une vision très politique du débat. Et ils ont été, en quelque sorte, dans la discussion, les porteurs de cette revendication. Mais c'était une revendication qui les dépassait largement et qui était vraiment… qui traversait le milieu des ONG, qui est assez divers, comme vous savez, parce que entre France Nature Environnement, Greenpeace et une petite ONG comme ESF, c'est pas du tout les mêmes dynamiques, pas du tout. Alors, est-ce que, pour faire écho à ce que vous dites, est-ce que ça posait un problème de représentativité? Oui, je comprends très bien qu'on puisse poser la question. Il y a d'ailleurs, c'est poser la question de savoir comment on sélectionnait le collège des ONG. Parce que vous voyez, pour les syndicats, c'était facile. On a les syndicats, on a les usual suspects de la négociation syndicale. Mais pour les ONG, comment on l'avait jamais fait, qui est-ce qu'on invitait à la table du Grenelle? Il y avait des ONG pour lesquelles c'était évident, France Nature Environnement, enfin pour moi, c'était évident, ça ne se discute pas, vous voyez. Puis il y en avait d'autres. Et bon, en même temps, vous savez, la légitimité, ça se crée dans la durée, quoi. Il y a un moment où il faut bien commencer quelque part. À partir du moment où on voulait avoir une remise à plat, une relance des politiques environnementales de manière coopérative, on avait besoin d'avoir des partenaires autour de la table. On a pris des partenaires qui nous ont semblé le plus légitimes. Est-ce qu'ils avaient le même niveau, le même historique et le même niveau de représentation que des organisations sociales représentatives? Non. Mais est-ce qu'il y avait un meilleur moyen de faire? Merci pour ces éléments. C'est intéressant parce que c'est pas toujours simple a posteriori de se remettre dans le contexte d'alors. C'est quand même un exercice de contextualisation qui est pas toujours évident. Et c'est vrai que c'est une critique qui vient aujourd'hui de la part des syndicats qui doivent aujourd'hui démontrer leur représentativité en vertu des lois qui ont changé en 2010. C'est là que le dialogue est différent. C'est-à-dire qu'avant 2010, la représentativité des syndicats était légale. Enfin, elle découlait d'un choix arbitraire du gouvernement d'après-guerre. Et finalement, ils viennent poser aujourd'hui, les syndicats sur la table, cette discussion qui n'est pas inintéressante en disant maintenant qu'ils sont dans le tour de table, peut-être qu'il faudrait qu'ils se posent les mêmes questions que celles qui nous ont été posées en 2010, à savoir comment est-ce qu'on définit notre représentativité, quoi. Mais je trouve que c'est une question très légitime. C'est une question, encore une fois, au début, quand on crée le tour de table, on invite les gens, on ne va pas commencer en leur demandant. Vous voyez, il fallait faire un premier pas, et on a sélectionné comme on pouvait. Il y a eu des débats, encore une fois, sur qui on mettait dans le tour de table. On a sélectionné comme on pouvait. Il y a des gens qui vous diront, pourquoi vous avez pris la fondation Nicolas Hulot, c'est le star system. Il y en a qui vous diront, mais pourquoi vous avez pris ESF, ils sont tout petits. Ouais, c'est eux qui avaient. Oui,
Bon, il fallait commencer après que quelques années, même là maintenant, plus de 10 ans après, on pose la question de structurer ça et d'avoir des critères de légitimité un petit peu plus transparents, un petit peu plus nets. Je trouve ça absolument, absolument normal, légitime et même urgent. Merci beaucoup. J'en viens sur une question plus sur le fond du Grenelle. La succession d'auditions dans des périodes politiques successives est assez intéressante. C'est-à-dire que j'ai le sentiment que tout le monde en arrivant a la préoccupation d'accélérer le développement des ENR. On a auditionné Lionel Jospin qui nous a dit « quand je suis arrivé, c'était ma préoccupation ». Vous nous dites, nous on a fait le Grenelle, on a voulu doubler le développement des ENR hors hydraulique, parce que tout le monde dit toujours hors hydraulique. Puis on a eu le pouvoir qui a succédé au vôtre, qui nous dit, on est arrivé, il n'y a rien qui était fait, il a fallu qu'on accélère le développement des ENR. Et puis enfin, on vient de voter un texte mardi, je crois, dont l'objectif est d'accélérer le développement des ENR. Bon. Non, j'ai voté contre, mais Madame la ministre. Non, mais on collectivement, enfin. et encore, je peux vous dire ce que j'entends à New York sur le développement des ENR, c'est pas fini, ça va continuer pour longtemps. D'abord, je peux rectifier quelque chose. Je vous en prie. On voulait doubler la part des ENR, hydraulique compris. Ce que je disais, c'est que le problème, c'est qu'on partait d'une base installée d'ENR qui était essentiellement hydraulique. Donc, en fait, il fallait plus que doubler, largement plus que doubler l'éolien et le photovoltaïque pour doubler la part des ENR. Vous comprenez, quand on est, imaginez, on est à 10%, dont je ne sais pas combien, 8% d'hydraulique, on veut passer à 20% d'hydraulique, on en fera peut-être 1% de plus et pas tellement plus. Ça veut dire qu'en fait, il faut multiplier par 10 les ENR non hydrauliques, vous voyez. C'est ça le calcul. Si vous permettez, moi, je me distance un tout petit peu de ça. J'ai fait tout ce que je pouvais pour accélérer le développement des énergies renouvelables en les couplant avec une politique industrielle, ce qui a été critiqué par certains à l'époque, parce que de toute façon, c'était un fromage aussi, par exemple, le solaire. Mais j'assume complètement ce qu'on a fait sur le sujet. Moi, je trouve que ces politiques, elles doivent être menées, elles sont légitimes, mais elles doivent être couplées avec des politiques de l'emploi, des politiques industrielles. Ça n'a pas de sens, c'est une politique environnementale. C'est trop important d'une certaine manière, c'est trop structurant, c'est majeur. Ça ne peut pas être découplé, ça ne doit pas être découplé des autres politiques importantes du pays. Vous parlez dans votre titre de votre commission de politique stratégique, ça me semble tout à fait bien et légitime. De la même manière, la politique environnementale, elle doit être couplée avec une politique industrielle, une politique en matière de l'emploi, une politique sociale. On peut faire abstraction de rien de tout ça. Et c'est un petit peu la critique parfois. C'est quand on se donne un objectif juste en matière, tiens, on va augmenter la part d'énergie renouvelable, machin, etc. Bon, on le fait comment ? Est-ce que ça bénéficie du développement d'une base industrielle ? C'est pour ça que j'ai cité dans mon propos liminaire l'éolien offshore, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel on a réussi à créer un embryon de base industrielle et on a eu beaucoup plus de mal sur d'autres énergies renouvelables. Et par exemple, sur le solaire. Et sur le solaire, on a essayé, encore une fois, avec les mêmes recettes que pour l'éolien offshore, c'est-à-dire en fait avec des bilans carbone, avec tous les trucs pour contourner, hein, soyons clairs, les règles de l'OMC. Et ça a marché au début. Hein. Nous appel offre, il était bien. Hein. Je vous invite à aller lire, c'était de la poésie. Et puis, ça s'est défait dans le temps. Oui, moi, je sais pas s'il y a eu un manque de volonté politique pour en avoir parlé avec des techniciens d'administration en charge. Ils m'ont dit aussi que la commission avait été beaucoup plus sévère, beaucoup plus... elle avait pas fermé les yeux, quoi, contrairement à ce qu'elle a fait sur l'éolien. Ouais, merci beaucoup. Vous soulignez la place qu'avait l'enjeu de filière industrielle dans les choix que vous avez faits et proposés. Quelle était la place en 2008 de la sécurité d'approvisionnement dans le débat public ? Un sentiment que c'est un sujet très contemporain du débat énergétique, mais qui, ces dernières années, n'a peut-être pas été au cœur de ce qui motivait le débat public autour de ça. Alors, quelle était, de mémoire, la place de cette question-là ?
Ben, vous avez dit très, très justement, en parlant des syndicats et des ONG, que on peut relire. Vous voyez, on est dans des contextes à différents moments qui sont différents et ça jette quand même, ça change quand même la couleur d'un débat. En 2008, il n'y avait pas de problème de production. On était excédentaire. Et donc, il se posait des questions sur l'avenir, mais finalement, les derniers réacteurs nucléaires du programme dit Messmer avaient été mis en service en 2001 ou 2002. C'était Chouz et Civaux. Donc, c'est relativement récent, vous voyez, ce n'est pas non plus ancien. Et de toute façon, en termes de niveau de production, on avait une production qui était excédentaire au regard de nos besoins. Et d'ailleurs, c'est plutôt une situation qui, pour quelques années, c'est confirmé, c'est accru à cause de la crise. Qui a fait suite à la crise financière de 2008. Donc, c'était pas, il n'y avait pas une espèce de sentiment d'urgence. On était vraiment plus qu'en ville dans le Grenelle. Le premier sujet, c'était l'efficacité énergétique. C'était de très loin devant ce genre de considération. Et ça a duré pendant quelques années. De cette manière-là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des débuts de réflexion. Je vous ai dit, par exemple, on a lancé la conception du cahier des charges des visites décennales, parce qu'on savait que les visites décennales allaient arriver. On a lancé, à ce moment-là, une réflexion qui a abouti plus tard, qui a abouti après mon départ du ministère, sur la mise en place d'un mécanisme de capacité chercher à. Mais, vous voyez, il y a deux choses en matière d'énergie. Il y a capacité à produire et puis il y a des moyens de production qui sont plus ou moins souples, qui sont plus ou moins pilotables. Donc, le mécanisme de capacité visait cette dernière dimension. On était conscient qu'il y avait qu'on pouvait se retrouver en difficulté, qu'il pouvait y avoir des problèmes, disons, de pilotabilité. Et donc, on a lancé une réflexion qui a abouti par la suite, quelques années après. Je ne saurais pas vous dire exactement quand, vous avez sûrement ça quelque part. Donc je ne dis pas qu'il n'y avait pas des réflexions autour de. Je précise d'ailleurs que cette partie-là, par exemple, mécanisme de capacité, ne relevait pas de mes attributions à moi, puisque, comme je disais, en 2010, pour des raisons que je n'ai pas développées, mais bon, la gestion, la partie marché de l'énergie et gestion des grands opérateurs de l'énergie a été transférée à Bercy. Pour quelles raisons? Il y avait eu des débats pendant la campagne de 2007, sur la politique en matière de nucléaire, Flamanville, Penly, le reste, des débats internes à l'équipe de campagne. Et j'avais une position que je prétends plus informée et qui, du coup, était plus modérée sur le sujet. D'abord, je trouvais qu'il fallait pas précipiter les choses parce que je trouvais que c'était pas complètement mûr. Je trouvais que les tensions à l'intérieur de l'équipe nucléaire française devaient être réglées avant, enfin, qu'il était plus urgent de les régler en fait que de prendre des décisions de ce genre. Je trouvais qu'il fallait
prendre, enfin poser les décisions de ce genre dans un contexte plus global qui intégra par exemple l'utilisation de la chaleur fatale de l'industrie nucléaire qui a jamais été valorisée et qui a bon. Et je trouvais que la dimension du projet EPR était peu cohérente avec les évolutions du marché mondial de l'énergie. C'était un très gros réacteur, très centralisé. Un très gros réacteur très centralisé, ça correspond à certains besoins, mais la dynamique de marché, elle est plutôt dans le sens des petits réacteurs. Un très gros réacteur très centralisé, ça veut dire aussi la nécessité d'avoir des très grosses lignes THT qui viennent avec des problématiques spécifiques. Donc voilà, moi je trouvais que la question se posait, qu'elle était légitime. Je n'étais pas formellement contre, mais je pensais qu'il fallait résoudre d'autres problèmes avant ou en tout cas en même temps et peut-être se poser des questions, un peu plus de questions sur la dimension du réacteur. Je veux bien en parler, mais ça peut être un peu technique, un peu. Vous savez, on a une centaine d'heures d'audition sur les sujets énergétiques, donc on arrive à comprendre tout doucement. Oui, non, mais je mets pas en cause vos compétences nucléaires. C'est juste que je sais pas si c'est vraiment dans le cœur de vos sujets, quoi. C'est en gros. Pourquoi faire un tellement gros réacteur? Vous pouvez avoir des raisons d'économie d'échelle, mais ne pas prouver, par l'expérience, et vous tombez dans d'autres problèmes qui sont des problèmes d'équilibre de vos plaques énergétiques, des problèmes d'extraction de l'énergie par ligne à très haute tension, qu'en l'occurrence, il a fallu construire. Est-ce que c'est vraiment ça que le marché demande? Alors, vous aviez une partie du monde des ingénieurs du nucléaire qui disait oui, mais ça vous permet aussi d'avoir un niveau de sûreté supérieur. Et par exemple, le réacteur de l'EPR, il était conçu pour que, en cas de fusion du cœur, le corium ne traverse pas, parce qu'en fait, vous aviez des nappes de béton et par gravité, le cœur fondu, en fait, ce serait retombé sur les nappes de béton. Il y avait des choses comme ça, il y avait pas mal de réflexions. Je ne suis pas là pour trancher, de toute façon, je n'ai pas forcément toutes les données du problème, mais je trouvais que ce débat n'était pas complètement... qu'on n'avait pas été au bout de ce débat, en fait, et qu'on s'apprêtait à prendre une décision politique sans avoir politique forte, qui était un petit peu prématurée au regard de la maturité du sujet technique. Et quand je dis technique, un sujet technique en intégrant la dimension de marché, de compétitivité, parce que la question, ce n'est pas seulement de construire pour nous, mais aussi de construire pour un marché. Et qu'est-ce que le marché réclamait comme taille de réacteur? Vous voyez, en ce moment, on repart à nouveau des SMR. C'est peut-être une question qu'on aurait dû creuser plus à l'époque. Donc voilà. Donc pour ça, pour dire que ça, c'était des opinions que j'avais exprimées dans la campagne en 2006-2007. Et je pense que ça a participé du redécoupage. Quand je suis arrivée en 2010, on a dit, on lui donne tout, mais peut-être que le marché et la production, on va le rendre en quelque sorte à Bercy. C'est très intéressant cet échange. Moi, je pense qu'on est pleinement dans le champ d'exploration de la commission. Bon, vous avez balayé, hein, finalement, la question de la taille, la question des normes, peut-être pas tout à fait figées au lancement du chantier de l'EPR, la question de la bataille structurelle et quasi institutionnelle entre Areva et EDF, la question du format. Est-ce que, à l'époque où le choix de lancer l'EPR a été fait, on aurait pu, par exemple, choisir, encore une fois, sans refaire le passé, mais juste pour se poser dans le contexte, choisir de lancer, par exemple, un ATM-1000. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelait le réacteur d'Areva, le petit. L'ATMEA, pardon.
Les gens d'EDF vous diront qu'ils n'ont jamais existé. Et oui, le problème, c'est que le nucléaire, politique environnementale, la politique énergétique, c'est un sujet très politique. Mais il y a des fondements techniques qu'il faut maîtriser, qui nécessitent un certain investissement. Vous voyez, et moi, je pense que cet investissement, à l'époque, aurait pu être plus dense. C'était pas une yes or no question. Ça a été vécu comme ça. Il y a des gens qui sont contre le nucléaire, il faut lancer, sinon on perd la compétence, on y va, l'EPR est prêt, boum, on dit oui, on fonce. Du coup, quelque part, EDF qui avait son projet prêt, vous voyez, on a quelque sorte profité pour que ce soit validé, pour qu'il y ait un oui et pour qu'on fonce. Il y avait des débats d'ingénierie du coup, y compris et d'ingénierie liée encore une fois à la question du marché et de ce qu'appelait le marché, qui n'ont pas été menés à leur terme parce qu'il y a eu le sentiment dans le monde politique que c'était un marqueur politique fort, ce qui était vrai d'ailleurs, et dans le monde des énergéticiens que c'était la fenêtre politique pour obtenir le lancement, et même si ce n'était pas mûr, c'était le moment d'y aller. Et tout ça, comme vous le dites, s'insérait dans le cadre d'un débat au couteau entre EDF et Areva, qui facilitait pas le, enfin qui polluait énormément en fait le contexte de cette prise de décision. Donc moi, mon point de vue, enfin le point de vue tel que je l'avais exprimé de manière interne à la campagne, c'était il faut d'abord démêler le conflit EDF-Areva, parce que de toute façon, lancer dans ce contexte-là, c'est se positionner pour l'échec à l'exportation. On va pas pouvoir présenter un fournier, hein, ça va pas bien fonctionner. Et il faut prendre le temps de regarder quelles sont les options technologiques. Quand je dis les options technologiques, c'est pour moi, il y avait quand même un vrai questionnement sur la taille du réacteur. D'autant plus qu'après, moi, au niveau ministériel, j'ai dû gérer la question de la THT. Et oui, il faut une part de production d'énergie centralisée, comme il faut une part de base dans un pays qui aspire à avoir, par exemple, une politique industrielle et à avoir une grande industrie. C'est indispensable. Mais le très gros réacteur à la périphérie de l'hexagone, du réseau, de la plaque. Oui, du réseau, à la périphérie du réseau, ça veut dire en fait forcément une très grosse THT. Vous voyez, ça posait. Je trouve qu'il y avait des questions qui auraient mérité un petit peu plus de travaux et de réflexions. Après, honnêtement, si je prends un pas de recul et j'essaie de faire abstraction de toute l'émotion qui a entouré ça, un des problèmes, c'est que. Il y avait des mouvements de balancier pour des mauvais motifs politiques sur la politique énergétique. Et donc, il y avait la crainte dans l'industrie nucléaire ou dans tous ceux qui, tout simplement, croyaient au nucléaire, et j'en fais partie. Il y avait la crainte que si la décision n'était pas prise tout de suite, un jour, il y aurait un mouvement de balancier politique et on se retaperait une décision strictement politique comme on l'avait eu avec la fermeture de Superphénix ou comme on l'a eu plus tard avec l'arrêt d'Astrid. Et donc, il y avait cette inquiétude que, comme il n'y a pas suffisamment de consensus, ou il n'y a plus, comme il y a eu une époque, de consensus national autour d'une politique, on n'a pas vraiment le temps, et donc, il faut y aller. Et donc, je comprends aussi, d'ailleurs, non seulement je comprends, mais je connais la dynamique qui a abouti à cette décision. Je dis qu'on aurait pu attendre un ou deux ans et avoir une réflexion un peu plus aboutie sur certains sujets, et puis surtout démêler le problème EDF-Areva avant de lancer. Mais il faut voir qu'on était dans un contexte dans lequel on avait l'impression que, en gros, à chaque fois que la gauche revenait au pouvoir, le PS ne s'intéressait pas à l'écologie sous-traitée aux Verts, et les Verts avaient une seule demande qui était d'enfoncer un coin de plus contre la politique nucléaire. Donc,
très souvent, en fait, contre la quatrième génération. Mais après, il y a eu la question de Fessenheim. Après. Et donc, il y avait cette inquiétude de, voilà, c'est la fenêtre d'opportunité pour lancer les choses. Et si on ne le lance pas, on ne sait pas ce qui se passera dans le futur. Et au passage, je trouve que cette discussion devrait amener à une réflexion. Enfin, ce n'est pas à moi de vous dire ce que vous devez faire. Mais les politiques énergétiques, ça peut être que des ça a besoin de stabilité. Donc, d'ailleurs, ça a besoin d'un minimum d'accords. Il faut que ça dépasse un petit peu les partis politiques. Le mouvement de balancier sur des sujets d'investissement aussi longs, il amène forcément soit à faire des bêtises dans un sens. Enfin, moi, je pense qu'on a fait des bêtises sur la quatrième génération. Je pense que la quatrième génération a été victime d'accords politiques parfois mal informés technologiquement. Et il peut amener à faire des bêtises de l'autre sens, au sens de la prise de décision accélérée, parce que justement, on craint ce mouvement de balancier. Le mouvement de balancier sur des sujets aussi stratégiques, aussi structurants, qui s'inscrivent dans une durée aussi longue, il ne peut aboutir qu'à de mauvais résultats d'un côté comme de l'autre. De mauvais résultats, des résultats suboptimaux. Merci beaucoup, c'est vraiment très intéressant. Et du coup, je creuse un tout petit peu. Vous disiez, ça manquait, on a bien compris le cadre dans lequel se prend cette décision. Et vous dites, finalement, l'expertise des solutions alternatives manquait un peu de profondeur, de densité. Vous avez employé le mot densité. D'où ça vient, c'est-à-dire justement de ce mouvement de balancier, du fait que préalablement, on ait consacré moins d'études aux évolutions des technologies nucléaires ou moins de préoccupations au lancement de nouveaux chantiers nucléaires, parce qu'on a le sentiment que la France a quand même, avec le CEA, avec sa filière industrielle, un panel d'outils de développement, d'industrialisation du nucléaire. Mais vous dites finalement, le panel, il ne conduit pas forcément à des solutions technologiques différentes et on n'a pas d'autre choix que de prendre celle qui est disponible. À quoi vous expliquez ça ? Moi, je pense que le conflit entre EDF et Areva a une immense part de responsabilité là-dedans. Parce que, comme vous le soulignez, en fait, on a des acteurs divers, de très grande qualité, chacun dans lesquels il y avait vraiment de la... Et je pense aussi au CEA, à tout ce qui est entre CEA. À tous les niveaux de la chaîne, on avait ce qu'il fallait pour prendre des bonnes décisions très informées. Mais à cette époque-là, le milieu était complètement crispé autour du conflit EDF-Areva. Du coup, d'ailleurs, une partie de l'expertise qui était plutôt dans le monde de la recherche du CEA était un petit peu recroquevillée sur eux-mêmes parce qu'ils n'avaient pas envie, en gros, de se retrouver les otages de cette bataille dans laquelle on tirait à balles réelles. Et donc, alors qu'il y aurait eu toute l'expertise, tout ce qu'il fallait pour mettre tout le monde autour de la table et avoir une réflexion véritablement structurée, les acteurs se sont un peu recroquevillés sur eux-mêmes. Il n'y a pas eu vraiment de forum pour les raisons que je disais, parce qu'il y a eu une espèce d'accélération politique, de crainte en fait que la fenêtre politique se referme à un moment. Donc il n'y a pas eu vraiment de forum, il n'y a pas eu vraiment le temps. Et puis il y a quand même eu des postures, si vous voulez. EPR, c'était le truc d'EDF, Atmea, c'était le truc d'Areva. On avait des compétences dans le monde militaire, on avait des compétences qu'on aurait pu aussi exploiter dans un cadre civil qui n'ont pas vraiment été appelées dans la discussion. Enfin, il y avait vraiment, je parlais de choses sous-optimales tout à l'heure, moi je pense qu'il y avait vraiment tout ce qu'il fallait pour avoir un débat de meilleure qualité que ce qui a eu et qui était pas. Après, je vous dis, moi, j'ai pas été associée au fin mot de cette affaire-là, parce que je me suis exprimée dans la campagne de 2007. À l'époque, j'avais ma place dans cette discussion pour des raisons très accessoires, qui étaient d'une part que j'étais la seule à m'intéresser à l'écologie dans mon parti, donc j'étais la spécialiste de l'écologie du parti, mais si vous voulez, j'étais quand même très, très junior dans le système. Et l'autre raison, c'est que j'étais ingénieure
Et il n'y en a pas beaucoup dans le monde politique. Et il se trouve que j'étais une ingénieure qui connaissait bien le nucléaire parce que mon père avait été le directeur de Framatome qui avait vendu les centrales aux Chinois. Donc je connaissais bien de l'intérieur tout ce monde-là. Plein de camarades qui étaient chez EDF, chez machin. Donc j'ai participé à ces discussions de cette manière-là. Mais après, comme secrétaire d'État, je ne me suis pas du tout occupée de nucléaire. Je m'occupais vraiment de la négociation du Grenelle de l'environnement. Et je vous dis, quand je suis revenue comme ministre, je n'ai pas été en charge de ça, j'ai été en charge de la sûreté. Alors je change de sujet pour revenir un peu au Grenelle. Le Grenelle introduit des évolutions majeures dans la perception qu'on a du réseau, notamment de distribution, avec le fameux compteur intelligent qui arrive à cette occasion-là. Quelle est l'évaluation finalement qui est faite à cette époque de la nécessité d'injecter plus d'intelligence dans le réseau, tant de distribution que de transport ? Alors, ça c'est une bonne question, c'est une question complexe. Il y avait l'idée que c'était l'avenir, et que notamment c'était l'avenir d'un système de réseau qui allait être plus décentralisé en termes de pilotage, qui allait faire meilleure place aux consommateurs dans une place qui soit moins passive en quelque sorte et qui soit plus active. Il y avait une vision en quelque sorte de cette évolution-là. Et puis, de l'autre côté, il y avait des réticences sur la manière dont tout ça allait être mis en œuvre, réticences aussi, dans certains cas, sur… Il y a eu un débat, par exemple, sur les ondes autour du compteur. Enfin, il y avait d'autres sujets, en quelque sorte, parasites qui sont venus interférer. Une des manières de mémoire dont on a répondu à ça, c'est que, je crois que je l'ai évoqué tout à l'heure, dans le PIA, il y a eu de l'argent sur les réseaux intelligents, je crois les compteurs intelligents, en tout cas les smart grids. Il y a eu de l'investissement en recherche, peut-être en prototype, franchement, je ne me souviens pas, sur cette dimension-là. Dernière question sur le Grenelle. Quelle était la place de la réflexion ? Vous étiez en charge ensuite en tant que ministre de l'écologie du volet minier. La place de l'enjeu stratégique sur les matériaux critiques, sur les métaux, etc., dont on voit qu'ils sont dimensionnants en fait dans la transition énergétique et notamment l'électrification. Franchement, à l'époque. Le sujet était embryonnaire. Donc, c'est le genre de choses qui ont été évoquées, mais qui n'ont pas fait l'objet de politiques ou de programmes plus structurés que ça. En matière minière, il y a eu une décision qui a été la décision d'arrêter le projet dit de la Montagne d'Or en Guyane, qui a été une espèce de décision en quelque sorte préliminaire aux discussions du Grenelle. Ça faisait partie du paquet, en quelque sorte, de lancement de la négociation. Les ONG étaient très opposées, je pense avec raison, à ce projet. Mais il n'y a rien eu de très, dans mon souvenir, de très structuré sur la question des métaux rares et des choses. C'était vraiment… maintenant, on en parle énormément. D'ailleurs, ici aussi, aux États-Unis, on en parle énormément. Ça devient un enjeu stratégique, identifié, conséquent, avec d'ailleurs pas mal d'investissements, y compris privés. Il y a un gros investissement qui vient d'être annoncé aux États-Unis de 600 millions de dollars de mémoire dans un projet minier de lithium. Je crois que c'est dans le Midwest. Donc, pour développer en quelque sorte ici une base nationale stratégique de production de lithium. Donc, il y a plein de choses qui se passent aujourd'hui. À l'époque, franchement, c'était pas central. Et donc, quand on parlait mine, c'était pour parler de projets comme la Montagne d'Or et pour les ou par la suite pour parler du code minier.
plutôt pour le mettre en cohérence, pour essayer de le mettre en cohérence avec les dynamiques coopératives et l'exigence de transparence dans les politiques publiques qui avait été manifestée lors du Grenelle. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole au rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Ministre, pour ces explications déjà nombreuses. Quelques questions préliminaires à nouveau sur la conception du Grenelle. Peut-être quand même une seconde sur la question des syndicats, parce que, des ONG et de leur rapport par rapport aux syndicats. En fait, je reprends le terme que vous utilisez tout à l'heure en disant qu'il s'agissait d'une question politique, d'un choix de considération et donc de faire œuvre, de faire un acte nouveau de prise en compte des ONG dans le débat public et de les mettre au même rang que d'autres organisations, ce qui peut effectivement poser des questions par la suite de représentativité. Quand vous dites que c'est politique, en fait, pardonnez-moi, loin de moi l'idée de faire de la politique ici, mais c'est bien le candidat Nicolas Sarkozy qui, dans une volonté d'ouverture, voulait montrer que l'écologie pouvait être une politique de droite. Et donc, c'était une manière de légitimer l'écologie de droite en allant discuter avec des organisations non gouvernementales qui étaient classées politiquement à gauche, même si elles étaient écologistes et que cette distinction n'a pas forcément de sens. C'est ça l'idée qu'il y a derrière le Grenelle de l'environnement. Quand vous êtes dans l'équipe de campagne du président et que vous avez du candidat et que vous avez l'idée de faire le Grenelle de l'environnement, c'est d'aller chercher un symbole écologiste de gauche pour le mettre autour de la table et de prendre à revers l'adversaire politique pendant la campagne. Alors, on peut le voir comme ça, évidemment. D'ailleurs, c'était marrant, votre phrase, pour dire « loin de moi l'idée de faire de la politique ». J'espère bien que vous en faites de la politique, parce que si on n'en fait pas à l'Assemblée nationale, rassurez-vous, on en fait on un est peu. Quand même perdu. je vous dirais que on peut le voir comme ça, mais il y a aussi un objectif plus noble, qui est que ça a servi à débloquer des postures, y compris d'ailleurs des postures administratives, pas seulement des postures politiques au sens des partis, qui aboutissaient à des situations de blocage sur un tas de sujets de politique et mesures. Concrètement, qu'est-ce qui se passait? Vous aviez un ministère de l'écologie qui était petit, qui était faible. Je ne vais pas vous faire le truc de votre état. Par exemple, il n'y avait pas de corps d'État au ministère de l'écologie en tant que tel. Les autres ministères ont chacun leur corps d'État. L'écologie, il n'avait pas. Qui était... tenez, je vais vous raconter un truc que moi j'avais découvert, que je trouve ahurissant. Un ingénieur un ingénieur d'État, d'un des corps d'État, qui allait dans un des autres ministères, et il avait des primes qui étaient liées à son corps. Au ministère de l'écologie, il n'y en avait quasiment pas. Donc, on s'étonnait après que ce soit une administration que les autres, vous voyez, contestaient en disant qu'elle était militante. Ouais, elle était militante. Vous savez, celui qui décidait d'aller faire sa carrière au ministère de l'écologie, il décidait d'emblée qu'il aurait tout au long de sa carrière quelque chose comme 30% de moins que celui qui était allé au ministère de l'Agriculture, au ministère de... Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, ça a changé, parce que c'est tout ça a été à l'époque. Au moment du Grenelle, on a fait un gros travail en quelques heures de réforme et de réorganisation des administrations qui, évidemment, a été moins visible et moins grand public, mais qui a complètement transformé ça. Mais avant ça, on avait un ministère de l'écologie qui était petit, qui était faible, politiquement, faible administrativement, je veux dire, faible administrativement, qui se concevait du coup aussi beaucoup comme étant en situation, et pas à tort, parce que c'était la réalité, en situation conflictuelle avec les autres. Donc il y avait des conflits perpétuels avec le ministère de l'Agriculture sur les pesticides, sur pareil, la politique du jachère, tout ce que vous pouvez imaginer. Il y en avait à l'époque avec le ministère de l'Équipement, sur les routes, sur toute la politique de report modal. Il y en avait avec Bercy sur tout ce qui était fiscalité environnementale. Donc, toutes les politiques environnementales étaient conflictuelles, et pas seulement conflictuelles au niveau politique, elles étaient conflictuelles au niveau administratif. Et le Grenelle de l'environnement a servi, en fait, à casser ça. Et il a eu, encore une fois, ce n'était pas connu du grand public, mais il a eu un volet administratif considérable. C'est-à-dire quand on a réuni dans le même ministère des gens qui avant étaient au ministère de l'Équipement,
ministère du logement, ministère de l'écologie. Pour certains qui avaient tangenté le ministère de l'agriculture, ça a été un mouvement majeur pour faire tomber en quelque sorte des espèces de murs entre administrations qui étaient autant de blocages organisés. Donc oui, je comprends ce que vous dites et bien sûr rien de tout ça n'est innocent politiquement, mais il y avait quand même des objectifs plus élevés que ça aussi. Je vous remercie. Et une question, enfin plutôt une réflexion que je vous partage pour avoir votre avis sur la question de l'exclusion du nucléaire du Grenelle, parce que c'est une situation finalement qu'on retrouve pas telle quelle, puisque le Grenelle est assez unique en son genre, mais qu'on retrouve dans d'autres moments de la période qu'on étudie, l'idée qu'on sort le nucléaire du débat public ou parlementaire, ou parce qu'il est crispant, ou parce que la décision est déjà prise. Est-ce que c'est quand même pas un peu paradoxal de se retrouver dans cette situation où finalement, parce que c'est trop crispant ou clivant politiquement et socialement, on n'en parle pas, ce qui condamne ou bien à ne pas prendre de décision ou bien à prendre des décisions qui ne bénéficient pas de la même lumière politique, médiatique, parlementaire. Est-ce que, d'une certaine manière, dans le cas du Grenelle de l'environnement, on peut imaginer que c'était pour ne pas parasiter les débats sur les autres sujets ou pour ne pas mettre en difficulté le nucléaire face à des ONG qui étaient majoritairement anti-nucléaire? Mais est-ce qu'il n'y a pas une dimension paradoxale de vouloir, pour le préserver, j'imagine, dans le cas d'espèce, l'exclure du débat et du coup perdre en crédibilité et en légitimité démocratique? Oh, je comprends ce que vous dites. Je vais d'abord relever que le nucléaire n'a pas été le seul à être exclu des débats. Enfin, exclu. Il faut s'entendre sur ce qu'on appelle exclu. Le nucléaire, c'est un fait de la politique énergétique française et personnellement. Simplement, on n'a pas, dans les groupes de travail, on n'a pas eu un groupe de travail nucléaire. On n'a pas mis en négociation et en discussion le sujet. Le nucléaire n'a pas été le seul dans ce cas-là. Ça a été le cas aussi, par exemple, de la chasse. Pardon, Madame la Ministre, mais en termes d'implication environnementale macro, la chasse n'a quand même pas tout à fait le même statut que ce qui produit 80% de notre électricité. Je suis d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que la raison pour laquelle on a fait ça, c'est qu'on avait le sentiment que ça n'allait pas nous aider à progresser. Et d'ailleurs, c'était un sentiment qui était partagé, parce que si vous voulez, les ONG, elles auraient très bien pu dire nous, on ne fait pas le Grenelle si on ne parle pas du nucléaire. Elles ne l'ont pas fait. Elles ne l'ont pas fait parce qu'elles savaient, comme nous, que c'était des sujets sur lesquels il n'y avait pas vraiment d'espace, que c'était des sujets sur lesquels il aurait fallu qu'on cède ou il aurait fallu qu'elle cède et ni l'un ni l'autre ne le voulait. On en était d'accord d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire qu'on était d'accord sur le fond, mais on était d'accord sur le fait qu'on ne serait pas d'accord. Donc sur le Grenelle, enfin moi j'assume tout à fait le fait qu'on n'a pas eu de groupe de travail, Flamanville ou pas Flamanville quoi. Mais honnêtement, ça aurait servi, à mon avis, dans cette configuration là, ça aurait servi à pas grand chose. Après, je participe tout à fait de ce que vous dites sur le fait qu'on en qu'il y a un sentiment, qu'on laisse se développer un sentiment qu'il y a quelque chose de secrets, de différents, etc. C'est un petit peu dommage. Moi, je pense qu'il faudrait qu'on réussisse sur le nucléaire à sortir des catégories de pensée quasiment religieuses des deux côtés de l'échiquier. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont contre de manière où je trouve parfois pas complètement étayé, mais vous avez aussi des choses qui sont de l'ordre de la foi de côté de ceux qui sont pour, y compris de manière pas complètement étayée ou qui mériterait plus de débats sur les différentes options. Je trouve qu'on est devenu un petit peu, avec le temps, un petit peu religieux sur ce sujet. Avec des arguments définitifs du genre « De Gaulle l'a fait, donc c'est bien ». Enfin, vous voyez, on peut être un peu plus sophistiqué que ça, peut-être collectivement,
nationalement sur un sujet, comme vous le signalez, aussi important. Je vous remercie. En effet, on riait. Je vous ai fait rire, j'ai l'impression. Non, on riait à votre boutade. On riait à votre boutade sur De Gaulle l'a fait, donc c'est bien. Pardon, je continue. Je continue alors là sur les différents... Je précise que je viens du parti gaulliste et que je ne renie pas mes origines. Hein. C'est pour ça qu'on riait, bien sûr. Surtout le rapporteur. Évidemment, le président s'en dédie. Peut-être sur le contenu du Grenelle, parce que c'est une partie, et vous avez raison de le souligner en propos liminaire, qui est forcément un peu moins abordée dans nos débats, mais qui n'est pas moins importante, qui est à la fois la maîtrise de la demande, la capacité à être sobre et efficace du point de vue énergétique. Peut-être vous demandez moins comment les engagements du Grenelle en la matière, en matière d'efficacité, de sobriété, de rénovation, par exemple, ont été pris, mais que la manière dont vous avez eu le sentiment qu'ils ont été pris en compte par les acteurs une fois les principaux outils déployés dans les années qui ont suivi, et la manière dont vous analysez ensuite ce qu'on pourrait considérer comme un, je ne sais pas si le mot retard est sévère dans les 15 dernières années, mais en tout cas une insuffisante progression par rapport au gisement d'économie d'énergie en la matière. Sur la mise en œuvre du Grenelle, il y a une espèce de très grande variété d'instruments de mise en œuvre du Grenelle. Donc, je ne sais pas si on peut porter un jugement comme ça global, parce qu'il y avait des choses qui étaient strictement législatives, d'autres qui étaient législatives et réglementaires. Il y avait des choses qui étaient ni législatives ni réglementaires et qui consistaient à lancer des appels à projets. Et donc, il dépendait en fait de la rapidité avec laquelle l'administration mettait en œuvre les appels à projets. Il y avait des choses qui étaient de l'ordre des accords volontaires avec les acteurs de la filière. Il y avait une dimension budgétaire parce qu'il y avait des choses qui avaient besoin de financement. Donc, évidemment, tout ça a eu des vitesses de mise en œuvre, des cinétiques différentes, ce qui est assez normal. Moi, vous allez dire que je suis un peu obsédée, mais comme je suis la seule à être, j'ai l'impression parfois obsédée par ça, il faut bien qu'il y en ait un. Je pense que le manque de couplage avec la politique industrielle a été un facteur majeur de ralentissement, et quand je dis de ralentissement, de stop and go. Parce que sur les sujets sur lesquels on réussissait ou on a réussi à lancer une base industrielle, chaque effort de politique publique participait de la compétitivité nationale, éventuellement de l'aménagement du territoire dans certains cas, parce qu'une partie de cette base industrielle a pu se faire dans des territoires qui étaient à redynamiser. Et donc d'une politique de l'emploi. Et donc, quelque part, il n'y avait pas de débat, si vous voulez, il n'y avait pas de point bloquant. Sur les sujets sur lesquels les objectifs environnementaux n'étaient pas accompagnés clairement de bénéfices en matière d'emploi ou de compétitivité, ou en tout cas pas à hauteur de l'investissement, c'était plus contentieux, ou en tout cas, c'était forcément plus tributaire des conditions macroéconomiques. C'est-à-dire qu'on se retrouvait à pouvoir le faire quand on avait de l'argent et à ralentir quand on n'en avait plus. Donc, l'intérêt de coupler, je ne sais pas pour la beauté du geste, de coupler avec des politiques industrielles et des politiques en matière de l'emploi et des politiques en matière d'aménagement du territoire, c'est que c'est comme ça que ça marche dans la durée. C'est comme ça qu'on crée une dynamique positive dans laquelle tous les acteurs sont pour, puisque le bénéfice est évident. Et je pense que ça a manqué sur certaines des énergies renouvelables et en particulier sur le solaire et sur l'éolien. L'éolien terrestre, hein, j'entends. Oui, je pense que l'éolien offshore, on ne le voit pas forcément beaucoup dans les chiffres aujourd'hui, parce que ça a été une énergie qu'on a développée plus tardivement, mais c'est une exception à ce problème que je soulignais. Au passage, il y a la question de la politique des réseaux de chaleur et de l'utilisation et du développement de la chaleur renouvelable. On en a un peu parlé, j'ai essayé d'en parler un peu dans mon propos liminaire. Moi, je trouve que c'est un sujet qui a été
peu ou insuffisamment traitée en France, et c'est notamment une des un des regrets, je trouve, de la politique de la politique d'EDF et la politique nucléaire. Alors, je sais qu'il y a des questions techniques autour de ça, mais vous savez, une centrale nucléaire, ça produit beaucoup de chaleur fatale. Et d'ailleurs, un des intérêts d'avoir des plus petits réacteurs que des gros réacteurs, c'est que vous avez votre chaleur, elle est plus décentralisée que quand vous avez un gros réacteur. Vous comprenez, Flamanville, bien, je connais Flamanville, je connais bien le département de la Manche. Comme disait Chirac, c'est beau, mais c'est loin. Et donc, votre base industrielle locale autour de Flamanville est réduite. Hein. Si vous avez des petits réacteurs qui sont un peu mieux répartis, la question de savoir ce que vous faites de la chaleur fatale de l'énergie de la production nucléaire est peut-être un peu plus pertinente, en effet, que tout simplement quand tout ça se passe à Flamanville. Enfin, bon, je dis ça, je n'en fais pas un sujet majeur et je suis consciente que je vais avoir débattu avec des ingénieurs plus techniciens que moi, que c'est un sujet qui n'est pas complètement... qui n'est pas complètement simple. Mais voilà, je voulais le dire pour mémoire parce que j'ai l'impression qu'on en parle peu dans votre commission. Question de l'utilisation de la chaleur et de la chaleur renouvelable. Vous savez, une grande part, et on parle de production d'énergie. En ce moment, on est dans l'électrification, mais une grande part de la production, enfin de la consommation d'énergie n'est pas forcément électrique. Et notamment en matière industrielle, on consomme énormément de chaleur. Donc, on n'est pas obligé de tout faire passer par des électrons. Il y a des manières. Du point de vue thermodynamique, du point de vue du cycle énergétique, je veux dire, plus optimal, enfin plus dans lequel il y a moins de gâchis, il y a moins de pertes en ligne dans le cycle thermodynamique de produire de l'énergie ou de consommer de l'énergie. Oui, absolument. Ça devançait une de mes questions futures, mais vous y avez largement répondu. Je reviens sur ce que vous venez de dire sur le couplage, enfin, entre politique industrielle et objectifs environnementaux. Avant de passer au point sur les énergies renouvelables, juste un point à nouveau en lien avec le Grenelle. Est-ce que ce que vous dites s'applique, par exemple, à la question de la rénovation thermique ? C'est-à-dire, est-ce que ce que vous dites en creux, c'est que c'est important d'avoir des objectifs environnementaux, des objectifs d'économie d'énergie, de développer des outils, des outils incitatifs pour le consommateur. Vous avez mis en place des mesures fiscales, crédit d'impôt, emprunt à taux zéro, etc. Mais est-ce que ce que vous dites s'applique à la politique industrielle au sens du développement de la filière, des compétences? Et si oui, est-ce que vous avez eu le sentiment que lorsque vous étiez aux responsabilités, cette partie-là qui était assurée, j'imagine, par le ministre en charge de l'emploi ou en charge de l'industrie, et par la suite, que cette dynamique-là a été suffisamment portée pour que la rénovation thermique puisse s'effectuer en réalité? Alors, absolument. La rénovation thermique était une des politiques identifiées comme étant gagnante. Gagnante en matière environnementale parce que vous avez un bénéfice de lutte contre le changement climatique. Conséquence, c'est quand même une grande part de la production de CO2 à travers du gâchis, parce qu'il y a du gâchis dans l'isolation ou dans le manque d'isolation, gagnante aussi du point de vue du particulier ou d'ailleurs de la collectivité ou de quiconque paye ses factures, parce qu'en fait, vous avez des horizons de rentabilité qui sont un peu longs pour les particuliers, mais qui sont néanmoins avérés. Vous voyez, en combien d'années on récupère l'investissement et en combien d'années il faudrait pouvoir le récupérer en fonction de ce que sont les acteurs et les propriétaires. Mais enfin, en tout cas, c'est gagnant de ce côté-là aussi, et absolument gagnante du point de vue de l'emploi, parce que c'est de l'emploi local. Et donc, c'est un des secteurs sur lesquels on a lancé très vite d'abord des politiques de formation, donc des filières d'accompagnement, d'apprentissage. Et ce qui était important, c'est qu'on a lancé aussi des politiques de certification des acteurs pour que les gens ne se fassent pas arnaquer. Parce qu'un des problèmes, si vous voulez, qu'on a eu avec le Grenelle, c'est que le Grenelle, c'était comme les routiers 10 ans plus tôt ou 20 ans plus tôt, c'était sympa. Et donc, tout le monde se mettait l'étiquette Grenelle partout.
C'était drôle, les autres ministères voulaient chacun leur Grenelle, chacun voulait son Grenelle, mais c'était vrai aussi dans le monde de l'entreprise. On avait sans lancer quelque chose, c'était sympa de lancer bien, mais toutes les petites PME, chacun essayait de surfer en quelque sorte sur la vague, et donc on avait mis en place des politiques de certification et puis des politiques d'accompagnement local par l'ADEME pour être sûr que les travaux qui étaient faits étaient des travaux de qualité et que les gens ne se faisaient pas avoir et leurrer en quelque sorte par des choses qui s'appelaient Grenelle et qui en fait n'étaient pas de qualité. Mais oui, ça a été un des sujets d'emblée identifié comme étant porteur d'emploi et porteur d'emploi dans les territoires. C'est très local. Je vais dire au rapporteur que maintenant on ne fait plus de Grenelle, on fait des Ségur, tout va bien. C'est une question postale, monsieur le président. C'est une question postale. Toujours sur cette question couplage avec l'industrie, vous en avez parlé déjà, mais si vous voulez bien revenir dessus un instant sur le... Enfin, vous l'avez bien expliqué pour l'éolien offshore. Peut-être revenir sur l'éolien terrestre et sur le photovoltaïque avec l'autopsie de ce qui n'a pas fonctionné ou de ce qui était insuffisant. Vous avez évoqué les appels d'offres, la capacité à localiser la production, en tout cas à inciter à localiser la production. Est-ce que vous avez d'autres éléments qui permettraient d'expliquer l'échec relatif pour être pas trop sévère en la matière? D'abord, enfin, le sujet éolien onshore et solaire, les sujets sont différents hein, pour moi. L'éolien onshore, il y a une base industrielle européenne, simplement elle n'est pas chez nous. Et donc, si vous voulez, c'était vraiment, on est dans un cadre européen. Le lancement de notre politique de développement de l'éolien onshore en France était décalé par rapport à ce qui se faisait en Allemagne, ce qui se faisait dans les pays nordiques. Ils avaient la base industrielle. Nos volumes, du coup, représentaient une part relativement faible du volume de marché. Bah, c'était bien difficile dans ce contexte, si vous voulez, de lancer une base industrielle nationale. Donc c'était un sujet qui était lié à la maturité d'une industrie qui, par ailleurs, avait trouvé à se développer en Europe. Donc c'était pour le coup un sujet différent. Du solaire, parce que le solaire, le problème, c'est qu'il y avait eu par le passé des embryons d'industrie européenne. Il y avait eu des travaux de recherche, notamment dans le cadre du CEA, hein, vous aviez de la recherche solaire dans les années, je crois, 70. Enfin, il y avait eu des choses de qualité sophistiquée, trop tôt d'une certaine manière. Mais la base industrielle, ce qu'il en restait, ne vivotait ou ne se développait pas bien. Et en fait, de plus en plus, c'était en train de se passer en Chine. Et donc, on était dans une situation dans laquelle, visuellement, quelque part politiquement, on atteignait les objectifs parce qu'en fait, on était en train d'augmenter la quantité de solaire installée. Mais quand vous regardiez de près avec quoi on l'augmentait, ben, en proportion, c'était de plus en plus des panneaux chinois. Et donc, on finançait sur des engagements multiannuels, des engagements très longue durée qui seraient payés par le consommateur d'électricité nationale. On finançait des champs solaires qui, pour une faible partie, bénéficiaient comme ça en spot à l'emploi d'emploi local parce qu'en fait, il y allait avoir un peu d'installation. Puis il y aurait peut-être un peu de maintenance, et puis un jour, il y aurait peut-être un peu de démantèlement, s'il avait été bien prévu. Mais pour l'essentiel, en fait, était de l'import et finançait directement l'industrie chinoise. Donc, oui, on faisait du chiffre en termes de panneaux, mais vous avez pensé que j'ai pensé que j'ai été marqué par le travail aux États-Unis et que je partage un peu leur obsession sur la bataille commerciale avec les Chinois. Mais enfin, quand même, je ne trouve pas complètement légitime, si vous voulez, que le consommateur d'électricité français s'engage à payer pour 10 ou pour 20 ans sur sa facture d'électricité les usines de production de panneaux en Chine. C'était pas bien. Donc, ça a été mal vécu. D'ailleurs, c'est pas par hasard que ça avait été préparé. Et puis
Ça a été actionné quand j'ai repris la responsabilité du ministère, mais j'en assume la totale responsabilité. On a fait un moratoire. On n'a pas fait un truc rétroactif, contrairement à ce qu'ont fait certains autres qui d'ailleurs ont été condamnés. On a fait un moratoire. Évidemment, ça a été très mal vécu et je le comprends très bien. Vous aviez des installeurs locaux qui, malgré tout, faisaient un peu d'emploi local en installant des panneaux chinois. Mais on a mis un coup d'arrêt, y compris pour des raisons financières, c'est vrai, mais pas que pour des raisons financières, parce qu'on n'était pas content de la manière dont ça se déployait industriellement. Et on a essayé de remonter des politiques de soutien qui étaient, d'abord, elles étaient plus sophistiquées en matière du genre de solaire qu'on faisait. C'est-à-dire, on faisait pas tout n'importe quoi. On essayait de faire du solaire innovant, ce qu'on appelait innovant. Et pourquoi on faisait ça comme ça? Parce que ça permettait d'avoir des spécifications qu'on a par ailleurs renforcées avec des bilans carbone, du panneau bas carbone, des choses comme ça, d'avoir des spécifications qui nous permettaient de soutenir l'émergence d'une filière nationale ou européenne. Ça a un peu marché au début. Le problème, c'est que c'est vraiment des choses qui doivent se développer dans la durée. Assez vite, si vous regardez ces appels d'offres, un certain nombre des spécifications qu'on avait essayé d'introduire, qui n'étaient pas très différentes de ce qu'on a fait pour l'éolien en mer. L'éolien en mer, on disait, on veut que les entreprises emploient tant d'apprentis. Tout ça, c'est des façons, si vous voulez, de se débrouiller pour que ce soit une base industrielle locale. Donc, ce n'était pas très différent ce qu'on mettait dans les appels d'offres. Le problème, c'est que c'est progressivement, on a vu partir ces choses-là. Moi, je me suis demandé, quand j'ai vu partir, je vous dis, j'étais plus aux affaires, si c'était pour accélérer en quelque sorte, pour baisser les prix et pour faire du chiffre sur le mégawatt installé, pour en avoir parlé avec des responsables de mon ancienne administration. Il semble aussi que la Commission européenne ait été plus regardante que sur l'éolien en mer. Elle a un peu fermé les yeux sur l'éolien en mer pour les motifs que je vous disais, parce que c'est vrai que c'est une industrie différente, enfin, on peut argumenter, et elle ne l'a pas fait sur le solaire. Merci. Une dernière question sur les énergies renouvelables, j'allais dire oui. Je peux vous dire un truc juste, quand même, quand on voit ce que les Américains. Non, mais quand on voit ce que les Américains font sur l'Inflation Reduction Act, on aimerait quand même de temps en temps que la Commission européenne soit un petit peu plus. Vous voyez, enfin, le libre-échange, la libre concurrence, tout ça, c'est super. Moi aussi, j'ai fait des cours d'économie, mais. Vous regardez. Donc, moi, j'ai le nez dedans en ce moment parce que je m'occupe d'investissement dans les technologies vertes aux États-Unis. Je peux vous en parler, je peux vous faire une incidente. Allez-y, madame la ministre. Okay. Donc, ces gens-là mettent 370 milliards. 370 milliards, entièrement financés. Parce qu'en fait, l'Inflation Reduction Act, c'est 700 milliards de recettes dont ils vont dépenser 370 milliards sur les technologies vertes. Le reste sert à désendetter l'État. Donc déjà, en plus, c'est génial, c'est vraiment autofinancé. Ce n'est pas un des trucs, vous savez, qu'on vote en disant on augmentera les accises sur le tabac et sur l'alcool, qu'évidemment, on n'augmente jamais. Le truc est vraiment financé, plus que financé. Puis 370 milliards, enfin, vous réalisez, le Grenelle, on avait quelques milliards ici ou là, 370 milliards, comme je l'aurais dit, C'est comme pour les guerres, en tout cas la première et la seconde guerre mondiale, ils arrivent tard, les Américains, mais ils font les trucs de manière solide, quoi. Et quand vous ouvrez la boîte et vous regardez comment sont dépensés les 370 milliards, vous avez des critères de localisation et de développement d'une base industrielle locale qui sont solides. Par exemple, vous avez un des outils majeurs de cette loi, c'est ce qu'on appelle l'ITC, Investment Tax Credit. Donc, vous avez un crédit d'impôt pour des investissements sur très grande variété de technologies, du solaire, de l'éolien, de l'hydrogène, du développement de la fermentation pour développer du gaz naturel, tout ce genre de choses-là. Mais le crédit d'impôt, ce n'est pas un taux fixe. Vous avez un certain nombre de critères qui sont nécessaires pour avoir le taux de 30%. Et puis après, vous avez des bonus, plus 10% et plus 10%. Et tout ça, à la fois les critères et les bonus, est parti lié avec
l'intégration, avec en gros de la production, de la politique industrielle. Donc, que ce soit dans tel type d'endroit, que ça bénéficie à tel type de communauté, que ce soit produit au niveau national pour telle proportion, c'est explicite. C'est pas des trucs comme mes appels d'offres où on était obligé de contourner, voyez, et de dire oui, mais on va faire un bilan carbone des panneaux pour ne pas dire on voudrait pas des panneaux chinois, on voudrait des panneaux européens. On était obligé de faire des trucs comme ça. Là, ils font pas ça. Hein. Si le panneau il est pas américain, vous aurez pas le même niveau de crédit d'impôt et la différence, elle est solide. Voilà, je trouve que parfois ça agace. Merci. Une dernière question donc sur les énergies renouvelables après la, j'allais dire dans la séquence logique après l'industrialisation, enfin la phase industrielle, il y a la capacité ou l'acceptabilité de leurs implantations. Et donc j'imagine que comme secrétaire d'État en charge de l'écologie puis comme ministre de l'écologie, vous avez eu fort à faire comme vos prédécesseurs et vos successeurs pour rendre ces installations plus acceptables. Et la loi que nous avons votée. Récemment, qui succède à d'autres lois pour favoriser, simplifier, rendre plus acceptable l'installation de sources d'énergie renouvelable sur le territoire, l'atteste à nouveau qu'on n'est probablement pas tout à fait arrivé au bout du problème. Qu'est-ce que vous avez vécu à l'époque en termes d'acceptabilité d'implantation de panneaux, d'éoliens terrestres essentiellement à l'époque et quelles leçons vous en tirez pour la suite et pour notre capacité à en réalité installer cette quantité, cette capacité de production qu'on aspire à installer, quels que soient les scénarios, en tout cas de manière beaucoup plus importante qu'auparavant. Bon, moi j'ai vécu comme ministre ce que chacun peut bien imaginer, c'est-à-dire que grosso modo tout le monde était d'accord pour dire que le développement des énergies renouvelables c'était bien. Et quand il s'agissait de les avoir au fond du jardin, personne, y compris des gens qui étaient officiellement très favorables, n'était pour, et chacun trouvait des arguments pour que ce soit pas au fond de son jardin. Parfois parce que ça abîmait le paysage et c'est vrai que c'est pas assez loin d'être idéal partout et il y a des choses pas formidables qui ont été faites. Parfois aussi parce que même si il y avait l'idée que c'était possible pour les gens, il y a cette peur que ça fasse perdre de la valeur aux biens qui sont là, quels qu'ils soient. Donc même si on n'est pas soi-même forcément très sensible, il y a cette inquiétude que ça ait des conséquences patrimoniales. Je vous dirais ma conclusion de tous ces débats, ça a été, c'est pas facile, hein, j'ai pas de baguette magique, mais il y a trois critères à suivre. Le premier, c'est minimaliser l'impact. Les paquets 3 éoliennes ici et là, non quoi. Enfin, il y a des. On peut pas faire comme si ça avait pas d'impact. Faire semblant que tout le monde trouve ça beau et c'est pas vrai en fait. C'est juste pas vrai. Donc il y a une le zonage, la minimisation de l'impact, c'est quelque chose d'important. La deuxième, c'est que c'est légitime d'avoir un partage de bénéfices. Il ne faut pas que ça se retrouve, qu'on se retrouve dans une situation dans laquelle on achète des populations. Donc, il faut réussir dans la mise en œuvre des politiques à la fois faire les choses de manière juste et en même temps de manière découplée. Sinon, tout le monde y perd, y compris en dignité. Et au passage, c'est vrai sur l'éolien, c'est vrai sur beaucoup de choses en matière de politique publique, même de politique environnementale. En tout cas, quand on a fait, par exemple, le parc amazonien en Guyane, on a mis une taxe sur de l'exploitation offshore qui allait financer une partie du parc. Moi, je suis pas opposée par principe. C'est pour ça que vous dire, je suis pas opposée par principe à ce genre de choses-là. Il faut que ce soit fait d'une manière qui n'engage pas les acteurs dans une espèce de
de négociations tordues. La dernière chose, c'est la transparence. Je fais référence à ce qu'on a fait sur le gaz de schiste, mais on est quand même dans un monde dans lequel certaines procédures d'attribution des autorisations. Alors, c'était vrai surtout dans le code minier, parce que dans tout ce qui atteint les paysages, c'est moins le cas, et il y a quand même des procédures plus ouvertes, et certains vous diront que ce sont des procédures qui font plus de part à la contestation. Mais enfin, c'est bien que les procédures soient claires et établies, sinon on laisse place à des contentieux qui traînent, et personne n'en profite. Je suis bien consciente, en vous disant tout ça, que je pose des principes qui ne sont pas forcément simples à appliquer. Et d'ailleurs, je n'ai pas trouvé que c'était une partie simple de l'exercice ministériel. Mais enfin, il n'y a rien eu de pire pour moi que les situations dans lesquelles on avait l'impression que l'accord local avait été acheté et dans des conditions qui étaient peu transparentes. Je vous remercie. Et deux, trois dernières questions sur la quatrième génération, enfin sur la question des déchets et la quatrième génération. D'abord, peut-être simplement, je ne suis pas sûr d'avoir compris, vous avez l'air d'avoir mis sur le même plan l'arrêt de Superphénix et celui d'Astrid. Sauf erreur, Superphénix, c'était un démonstrateur en fonctionnement pour lequel l'investissement initial avait été fait et qui était en cours de fonctionnement. Et si vous faites référence à 2019, c'est la fin des études et la décision de ne pas construire de démonstrateurs. Non, je l'ai mis sous le même. Je suis d'accord, je comprends bien. Je l'ai mis sur le même plan parce que pour moi, l'un et l'autre procédaient d'un accord politique dont je ne suis pas certain, ou un cas comme dans l'autre, qu'il ait été pris sur. Enfin, je suis certain qu'il n'a pas été complètement pris sur des bases techniques. En tout cas, c'est mon point de vue. Je comprends qu'on puisse en avoir un différent, mais il me semble que dans les deux cas, il y a une part politique prépondérante dans cette décision. Je pense, si je peux aller un peu plus loin, on revient sur ce qu'on disait, la nécessité sur la politique du nucléaire d'avoir une... Vous voyez, d'avoir attaquer la quatrième génération, à tort ou à raison, c'était vu dans certains milieux verts comme... attaquer le nucléaire à son talon d'Achille, parce que quelque part indirectement c'était attaqué sur la question des déchets. Je comprends le raisonnement, je ne sais pas à quel point c'est juste ou pas juste, mais voilà, enfin, dans ce cas-là, si c'est ça la pensée, il faut être sans naïveté. Donc, quand on accepte d'arrêter Superphénix ou qu'on renonce à aller plus loin sur Astrid, ben on accepte de rentrer dans cette logique-là. Je trouve qu'en tout cas, la question mérite d'être posée autrement que dans le cadre d'un accord politique. Vous savez bien comment ils se font, les accords politiques, notamment en marge des campagnes présidentielles. Enfin, j'étais par définition pas les discussions sur l'arrêt de Superphénix, mais enfin, je doute qu'il y ait eu beaucoup de considérations techniques. Non, vous croyez pas? C'est pas l'avis de Monsieur Jospin, mais nous. Alors, il est sûrement plus informé que moi puisqu'il en a fait partie. Mais enfin, au passage, donc on a arrêté Superphénix. Non, non, d'accord. Mais attendez. Juste un mot quand même. On a arrêté Superphénix. Mais comme on avait arrêté Superphénix et qu'on avait quand même besoin d'eux, on a prolongé Phénix. C'est quoi la cohérence? C'était juste. C'est comme Osiris. On a arrêté Osiris et après on s'est rendu compte qu'on avait un problème de recherche et donc on s'est dit on s'est rendu compte, on s'est mis dans les prolongations et puis après Eurobi. Ouais. Alors justement. Vous allez pas me faire croire que c'est complètement technique comme argument, comme sous-jacent. Ah non mais vous, de ce côté-là du micro, n'ayez crainte. Une question justement sur Phénix, enfin sur l'enchaînement de la fin de Phénix et puisqu'il me semble que c'était sous votre responsabilité, en tout cas vous étiez aux fonctions, le lancement du projet Astrid, enfin la signature de la convention sur le projet Astrid.
Une des questions qu'on a pu se poser au moment de l'arrêt Super Phénix et puis du prolongement de Phénix, c'est la capacité à capitaliser sur les connaissances. Alors, c'était pas exactement vos attributions, mais je pense que vous avez peut-être un éclairage à apporter sur l'orientation qu'avait en tête le gouvernement de l'époque au moment de signer la convention d'Astrid. C'était bien d'aller au bout, c'est-à-dire de faire les études préliminaires et ensuite de construire un démonstrateur dans l'idée d'être capable de maîtriser la quatrième génération du point de vue expérimental de la recherche et du fonctionnement. Ben oui, je comprends pas la question. Enfin, quelle aurait été l'alternative? Non, mais ça aurait pu être à des fins pures de recherche. Non, il y a... Au moment où Areva et EDF sont entrés dans des tensions dont on a parlé, le CEA, c'est un... de mon point de vue, un tout petit peu, et je comprends bien pourquoi, un tout petit peu rétracté. Mais à l'origine, il y avait une dynamique dans le secteur du nucléaire qui circulait, qui était beaucoup plus fluide que ça, et notamment, oui, le CEA faisait de la recherche, mais enfin, le CEA était quand même un lieu, en quelque sorte, de capitalisation de l'expérience nucléaire. Le CEA était présent, participait à des C'était une recherche très appliquée quand même, hein, vous savez. Et donc, quand on parle de faire Astrid, ça participe aussi de tout le débat qu'il y avait à l'époque et qui d'ailleurs a participé au lancement Flamanville de comment est-ce qu'on fait pour maintenir une compétence d'ingénierie en matière de nucléaire. Alors, je suis bien consciente que ce n'est pas le même type, vous voyez, d'ingénierie, d'aller construire des réacteurs et d'aller faire du réacteur. Mais quand même, il y avait derrière une logique, des correspondances, si vous voulez. Ce n'était pas un système dans lequel le CEA était dans la recherche pure et fondamentale et EDF et Areva auraient été dans de la production. C'était beaucoup plus fluide et circulant entre tout ça. Et d'ailleurs, je peux vous en donner une preuve. Enfin, oui, c'est qu'au moment de l'accident de Fukushima, on a eu une difficulté qu'on a eue, c'est que les Japonais ont coupé toutes les communications. On n'arrivait pas à savoir ce qui se passait. Donc, on n'avait pas d'informations. Enfin, c'était quand même assez... C'était angoissant à plusieurs titres. Et le canal qu'on a trouvé, le canal officiel ne marchait plus, si vous voulez, en fait. On ne pouvait pas appeler l'homologue, mais ça ne marchait pas. Le canal qu'on a trouvé, c'est par le milieu de la recherche et par des gens du CEA qui avaient travaillé avec des Japonais, sur des réacteurs japonais, qui avaient des relations, Et donc, on a réussi à avoir, par ce biais-là, des informations sur ce qui se passait dans la centrale. Donc, vous voyez, c'est bien la preuve que c'est pas un truc dans lequel il y a d'un côté la recherche avec des chercheurs en labo et de l'autre côté, non, c'est plus fluide que ça entre le milieu de la production et le milieu de la recherche. Merci. Et une dernière question sur le rapport Rousli qui est remis en juin 2010 et qui contient un certain nombre de préconisations, certaines qui ont été visiblement appliquées comme sur CIGEO. Mais il y a aussi des recommandations qui portent sur l'intérêt, l'urgence d'accélérer le soutien à la prolongation des réacteurs nucléaires, y compris, je lis, à 60 ans, à sûreté constante, voire davantage. Comment est-ce que d'abord vous êtes destinataire du rapport, est-ce que vous avez des échanges et comment est-ce que vous recevez cette préconisation alors qu'on n'en est pas encore là hein, dans les réflexions et y compris dans les visites décennales, et est-ce qu'il y a des mesures qui sont mises en place ou des discussions avec l'ASN qui sont entamées pour anticiper justement ce cap des 60 ans? Alors, plusieurs choses. J'allais dire, ça ne me dit rien, mais c'est normal parce que s'il a été remis en juin 2010, c'était avant que je sois nommée ministre. J'ai été nommée ministre, je suis revenue, vous voyez, donc j'ai été secrétaire d'État, puis à la suite de quelques péripéties sur les OGM, je suis allée voir du côté du numérique et de la planification ce qui s'y passait, et je suis revenue en novembre 2010. Donc le rapport Rousli ne m'a pas été remis à moi.
je tique sur une expression que vous avez utilisée qui est à sûreté constante, puisque comme je crois on en a parlé plus tôt, une des particularités, enfin un des principes de la politique nationale en matière de sûreté, c'est justement que la sûreté n'est pas constante. Elle doit progresser à mesure des progrès technologiques, et c'est une différence, par exemple, avec la doctrine de la NRC, qui est l'agence en charge ici aux États-Unis. Pardon, je montre ici parce que c'est la 43e au New York. Mais voilà, ici. Donc le assureté constante, en fait, est pour moi un peu mystérieux, parce que justement, c'est pas le principe. Ce qui est certain, et je peux peut-être vous aider à travers des quelques considérations sur Fessenheim ici. On savait que il y avait un enjeu, enfin que et on parlait de la prolongation du parc, ça fait pas de doute. J'ai lancé l'élaboration du cahier des charges pour les visites décennales. On parlait de la nécessité de les phaser. Et le principe des visites décennales, c'est qu'il fallait qu'elle puisse. C'est lourd, une visite décennale, hein, c'est très. On parlait de choses comme les bénéfices et inconvénients d'avoir un parc qui est très standardisé. Le bénéfice, c'est que vous avez un effet de série. L'inconvénient, c'est que si jamais vous avez une malfaçon, ben vous avez aussi un effet de série sur la malfaçon. Donc, on parlait de choses comme ça. Et c'est évidemment, ça a des conséquences sur la visite décennale, parce que si vous trouvez un problème ou un type de travaux très lourd à devoir faire. Et on parlait aussi des particularités de certains sites, soit en termes de localisation géographique, des sites qui auraient été plus sensibles au risque sismique, par exemple, des sites qui auraient été plus sensibles au risque de perte d'approvisionnement en eau, ou des réacteurs qui, pour des raisons d'ailleurs que je ne connais pas bien, alors même que le parc était très standardisé, il y avait quand même 32 réacteurs de 900 MW, et puis la série de 1300, les seuls qui étaient vraiment différents, c'était les N4, parce que les commandes étaient digitalisées, la conception était quand même très transcendisée. On parlait aussi de certaines particularités de certains sites, et notamment du site de Fessenheim. Un des problèmes à Fessenheim, il y avait un problème que tout le monde peut comprendre, qui était quelle sera la source d'eau alternative si jamais on manque d'eau. Mais ça, c'est des sujets locaux, en fait. La question se pose dans toutes les centrales, c'est quelles sont les ressources successives et les ressources de secours en matière d'eau. À Fessenheim, il y avait un sujet particulier qui, je ne sais pas pourquoi, ce qu'on appelle le radier, qui est en quelque sorte le plancher en béton de la centrale, était plus fin qu'ailleurs. Alors, ça a l'air de rien, mais l'épaisseur du radier commande la cinétique de l'accident. Enfin, elle ne commande pas la cinétique de l'accident, mais... elle commande la cinétique du passage du cœur fondu en cas d'accident dans le sous-sol, et en l'occurrence dans la nappe phréatique d'Alsace. Quand on a parlé, je souligne ça parce qu'en fait, la question se posait au moment des visites décennales, au moment du lancement de l'appel d'offres, évidemment on fait un cahier des charges standard, mais enfin on a aussi en tête la spécificité de telle ou telle centrale. Et compte tenu du fait que dans la doctrine française, la sûreté nucléaire ne se fait pas à sûreté constante, mais se fait avec acquisition au fil du progrès technologique d'amélioration, il était question, si on avait fait une visite décennale et si on avait voulu prolonger Fessenheim, de poser la question de l'épaississement du radier, pour éviter ce problème particulier de Fessenheim et du risque de la cinétique d'un accident nucléaire. Quand les visites décennales ont été lancées, finalement, je crois que les jeux étaient faits,
EDF pensait que c'était fini pour Fessenheim et que la décision avait été prise. Je ne me souviens pas du détail des différents. Mais du coup, de mémoire, ils n'ont pas intégré, ça s'est fait après mon départ, ils n'ont pas intégré Fessenheim dans les visites décennales. Et donc, on ne saura pas combien ça aurait coûté et si même ça aurait été techniquement possible d'épaissir le radier. Mais c'est pour dire que bon, le principe, c'est que l'autorité de sûreté nucléaire est indépendante, mais évidemment, tout ça a des conséquences potentielles sur des choix de politique énergétique qui ne relèvent pas de l'autorité de sûreté nucléaire, mais qui, évidemment, l'informent. Simplement pour vous préciser que le radier de la centrale de Fessenheim a été épaissi en 2013. Ouais, mais au moment de la visite des Sénats, il aurait fallu le réépaissir, parce qu'il n'était pas à la hauteur de ce qu'on aurait réclamé pour avoir un niveau qui se rapprochait de la sûreté de la troisième génération, je crois. Je ne veux pas vous dire de bêtises, mais il me semble bien. Parce que vous aviez un sujet qui était… Alors, de mémoire, vous aviez un sujet… La seule chose que vous ne pouvez pas changer sur une centrale, c'est la cuve. Vous pouvez épaissir le radier de ce que vous avez comme espace en dessous de la cuve, mais je crois que vous pouvez pas. Je crois que vous pouviez pas aller aussi loin qu'il aurait fallu. Il y avait une histoire comme ça. Après, écoutez, je suis pas ingénieur de la sûreté FSNL. Merci beaucoup, Madame la Ministre. J'ai fini une question, mais simplement pour le, j'allais dire, for the record, comme on dit de votre côté de l'écran, là, parce que vous avez tiqué sur l'expression à sûreté constante. En fait, c'est l'intitulé de la recommandation du rapport Rousselli. Je cite « Soutenir l'extension de fonctionnement des centrales à 60 ans, virgule, à sûreté constante ». Donc, je pense que c'est plus une imprécision et qu'il ne s'agissait pas d'une remise en cause du choix normatif français. Mais c'est marrant, vous voyez, mais c'est curieux quand même, c'est curieux comme titre, parce que c'est vrai que c'est contradictoire avec la doctrine. Enfin bon, je sais pas. J'en ai pas parlé avec lui, je vous dis, j'étais pas encore revenu. Merci beaucoup en tout cas. Monsieur Lenné, alors, on va passer la parole aux députés qui sont présents. Monsieur Lenné. Merci Monsieur le Président. J'ai trois groupes de questions, je peux prendre trois fois la parole, ce sera peut-être plus clair. Voilà. Oui. Alors, la première, d'abord, merci pour vos réponses. D'ailleurs, certaines de mes questions vont reprendre certaines de vos réponses, mais peut-être pour essayer d'avoir quelques précisions. D'abord, sur les énergies renouvelables. Vous avez déjà répondu en partie à ce qui expliquait le retard qui a été qualifié tout à l'heure de relatif, pour rester poli, de la France dans le développement des ENR. Je partage vos interrogations, sur le fait que le manque de filières industrielles en France participe du retard qu'on a accumulé, en particulier sur le photovoltaïque, mais aussi sur l'éolien. Est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être l'obsession du marché, de vouloir systématiquement passer par le marché? Est-ce que je qualifie, moi, en tant que député LFI NUPES, de main visible du marché, alors que précisément pour le nucléaire, on a toujours fonctionné avec l'État? Et d'ailleurs, tout à l'heure, il a été dit que sur Flamanville, peut-être, on s'était passé d'une consultation publique parlementaire, mais en vérité, dans toute l'histoire du nucléaire, on s'est largement passé du débat parlementaire et du débat public. Voilà. L'électricité, c'est un système. Ça a été rappelé la dernière fois quand on a auditionné les quatre représentants syndicaux d'EDF. C'est un système. Il semble que, pour moi, ça justifie que ce soit l'État qui prenne la main et que ce ne soit pas laissé à la main du marché, y compris pour le développement des ENR. Alors, je dirais que je ferai volontiers écho à ce que vous dites en disant que le marché seul ne va pas construire une politique énergétique. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas sa place, bien au contraire. Mais il y a des choses qu'il ne fait pas. Par exemple, la programmation de long terme. Le marché fait de l'optimisation et de l'optimisation à court terme. Et je veux dire, c'est bien et c'est important dans des systèmes interconnectés qu'il puisse y avoir de l'optimisation à court terme. Il ne va pas faire de la programmation à long terme. Pour moi, une politique énergétique bien équilibrée, c'est une politique énergétique dans laquelle, d'abord, l'État fait
de la programmation à long terme, y compris par exemple sur des sujets de recherche qui n'ont pas de visibilité, mais plus que ça, sur des sujets de réseau, des sujets de stockage, des sujets comme on l'avait, je vous ai dit un peu plus tôt qu'on avait lancé une réflexion sur les questions capacitaires, l'équilibre entre la base et le reste, les capacités pilotables, ce genre de choses-là. En fait, le marché ne prend pas en compte toutes ces dimensions. Donc, on a besoin, d'une part, de programmation de l'État. Ce qu'il faut, c'est trouver des systèmes dans lesquels, à l'intérieur de cette programmation nécessaire, on laisse suffisamment de liberté aux acteurs locaux et industriels, parce que c'est quand même comme ça que ça marche bien. On fait effet de levier sur de l'argent privé pour que ce soit avant tout des capitaux privés qui soient investis, parce que c'est des sommes tellement conséquentes, la transition énergétique, que si vous voulez faire ça sur le budget de l'État, d'abord vous allez probablement faire les choses de manière très sous-optimale, mais surtout vous n'y arriverez pas. Donc trouver des moyens, comme on l'a fait par exemple, je parlais des appels d'offres, vous voyez, quand on a mis en place les appels d'offres sur l'éolien offshore, bon, on définit un cadre qui est un cadre d'État, c'est-à-dire on définit des zonages, on lance des appels d'offres sur des zones, on y met des critères pas du tout innocents pour développer une base industrielle, mais enfin les appels d'offres, ils sont à destination d'acteurs privés, et c'est les acteurs privés qui y répondent et qui derrière construisent. Pour moi, c'est ça, une politique équilibrée. Je précise que pour que ça marche bien, il faut qu'il y ait de la visibilité. Et il faut qu'il y ait vraiment que les acteurs privés se sentent suffisamment à l'aise pour pouvoir investir dans le long terme. Ce qui, à mon avis, est une des forces de ce qui est en train d'être fait aux États-Unis avec l'Inflation Reduction Act. Je vous donne juste un exemple sur l'hydrogène. Ils font un dispositif dans lequel un producteur d'hydrogène vert aura $3 par kilo. $3 par kilo. Aujourd'hui, la production d'hydrogène vert, c'est 7-8 dollars par kilo. La production d'hydrogène gris, la production d'hydrogène classique, c'est moins de $3. Donc, on peut se dire, bah oui, $3 par kilo, c'est bien ce qu'il faut pour pouvoir le… Mais sauf que la courbe d'apprentissage, elle est très rapide. Il est probable que ça suive une courbe d'apprentissage du type qu'on a eu sur le solaire. Et cet engagement qu'ils prennent, ils le prennent pour 10 ans. C'est-à-dire qu'on donne aux acteurs privés une visibilité de 10 ans. Si vous investissez, pendant 10 ans, vous serez subventionné à hauteur d'eux. Et d'ailleurs, au bout de 10 ans, ça ne s'arrête pas d'un coup, il y a un phasing out. Donc moi, je crois à des politiques de ce genre-là, dans lesquelles chacun est bien à sa place. L'État dans la stratégie et un peu de planification et l'organisation d'un système qui permet d'attirer un maximum de capitaux et d'investir l'argent là où il faut. Je vous remercie. Bon, j'entends votre raisonnement quand même sur les masses monétaires. L'État vient de racheter pour quelques milliards les dernières actions d'EDF qu'il n'avait pas. EDF est endetté à hauteur de 60 milliards. Et je crois que le grand carénage est estimé entre 100 et 150 milliards. Donc, je note qu'on se pose un peu moins de questions pour dépenser sur cette partie-là. Mais c'est pas grave. Deuxième question. Si je ne dis pas de bêtises, le 3 janvier 2012, l'ASN vous a remis un rapport. Je crois que c'est à votre demande et suite à Fukushima, et en particulier sur la question de la sous-traitance, mettant en balance la question de la sous-traitance et celle de la sûreté des installations. Alors, est-ce que vous avez quelques précisions à nous apporter là-dessus ? Deuxième chose, on sait que les sous-traitants reçoivent 80% des doses qui sont reçues par les agents qui interviennent sur les centrales. Est-ce que c'est pas ça la vraie raison du fait qu'on les laisse à l'extérieur d'EDF ? Et troisième question, est-ce que vous pensez que ce serait pas une bonne idée précisément de les reprendre en interne pour garder cette compétence ? Parce qu'à force d'externaliser, on se retrouve avec EDF qui ne sait plus faire toute une partie des manœuvres qu'il y a à faire quand il faut changer le combustible, etc. On sait que 80% des événements majeurs sont imputables à une erreur humaine. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à reprendre en interne ces compétences-là ? C'est une très bonne question. C'est en effet un des sujets qui a été soulevé
après Fukushima, finalement, où sont les compétences et en cas de crise, en fait, à qui on fait appel et qui est disponible, qui est là, qui sait, qui connaît les lieux, et ça posait la question de la continuité. Parce que la sous-traitance, c'est ça, en fait. Un des problèmes de la sous-traitance, c'est que vous ne maîtrisez pas dans la durée qui vient forcément sur le site. Il y a deux sujets différents pour moi dans ce que vous soulevez comme question et dans ce débat. Il y a la question du suivi des personnels et de s'assurer que aux personnes n'est exposée à aucun moment, ni au fil de sa vie professionnelle, à des doses supérieures à ce qui est autorisé. Et ça, c'est quelque chose qui est exigible aussi bien de l'opérateur que des sous-traitants. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on fait appel à un sous-traitant qu'on peut... Et évidemment, ce n'est pas conçu comme ça, et ça ne doit pas l'être. Et à la question des compétences, qui est donc une question différente, parce que même si vous vous assurez qu'aucun sous-traitant n'est exposé à plus que les doses autorisées, la question de la continuité des compétences n'est évidemment pas la même si le personnel est titulaire ou est appelé à des missions variées. Il avait été demandé de mémoire dans ce débat, il avait été demandé à EDF de faire une revue de compétences une revue de la question de la sous-traitance au titre de la continuité et de la construction des compétences. Je ne pourrais pas vous dire ce qui en est devenu parce que, comme vous le soulignez, le rapport il a été remis janvier 2012 et moi, j'ai quitté le ministère le 14 février 2012. Donc, je ne pourrais pas vous dire avec plus de précision quelle suite EDF a donné au rapport, mais il y avait... il faut vraiment séparer, parce que je ne voudrais pas qu'on laisse dans l'idée que sous prétexte que c'est un sous-traitant, il peut être exposé à plus de radiation. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas fait comme ça. Ce n'est pas construit comme ça. Mais ça ne veut pas dire que ça ne pose pas un problème de compétences. Et la question des compétences devait être étudiée par EDF pour éventuellement remettre en cause certains dispositifs de sous-traitance. Je ne saurais pas vous dire quelle suite a été donnée à ça. Je vous remercie. Donc, dernière question, puisque vous étiez en poste à l'époque de Fukushima et en charge de la sûreté du nucléaire, est-ce que vous pensez qu'un tel accident est exclu en France ? On sait que plusieurs de nos centrales sont situées en bord de mer ou en zone inondable. Et d'ailleurs, Penly est construit sur un polder. Et là, est à l'étude l'idée de faire deux nouveaux EPR à Penly. À Gravelines, on veut en construire également deux nouveaux sur un site entièrement offshore. Du coup, question suivante, est-ce bien raisonnable finalement de relancer la construction de nouvelles centrales avec Flamanville qui est toujours pas terminé? Bon, vous avez déjà largement répondu sur Flamanville, mais un prototype de EPR2 qui pour l'instant est quand même pas vraiment au point. La question des déchets, à l'heure actuelle, pour s'occuper des déchets, les installations qu'on a à la fois autour des réacteurs et avec l'ANDRA et avec Cigéo ne sont pas du tout dimensionnées pour accueillir de nouveaux déchets qui viendraient de nouvelles centrales. Et enfin, il y a quand même le réchauffement climatique qui s'installe pour un petit moment, même si on essaye de lutter contre. La question de la sécheresse et du réchauffement des cours d'eau. Voilà. Ma question, c'est est-ce qu'un accident tel que Fukushima serait possible en France et est-ce bien raisonnable de relancer la construction de nouveaux réacteurs quand on sait tout ça ? Alors, est-ce qu'un accident... Fukushima serait possible en France ? J'ai envie de vous dire, probablement pas exactement le même, mais quelque part... C'est pas le sujet. On a entendu ici ou là des propos sur le fait qu'il n'y allait pas avoir de tsunami dans le Rhin et que donc Fessenheim n'était pas en situation de risque. C'est vrai. Mais les leçons de Fukushima, c'est pas juste est-ce qu'on peut avoir un tsunami. Les leçons de Fukushima,
ce que j'ai essayé d'esquisser, c'est un accident dans lequel, en fait, il y a une série de suraccidents qui aboutissent à avoir un site nucléaire qui est coupé du monde et en situation potentiellement d'emballement. C'est-à-dire un événement naturel qui est un tsunami qui noie le dispositif de refroidissement et derrière un emballement parce qu'il n'y a pas suffisamment de dispositifs autonomes de refroidissement et des problèmes connexes non mineurs comme la mise en danger des mises en fragilité des piscines parce qu'il y a un problème de résistance des piscines à cette situation, la mise en danger des opérateurs sur le site parce qu'il y a un problème de protection des opérateurs en situation d'accident sur le site, etc. etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas parce qu'on ne risque pas un tsunami ici ou là, vous n'aurez pas de tsunami à Saint-Laurent-des-Eaux, qu'il n'y a pas qu'on n'a pas à apprendre, qu'il n'y a pas des conséquences à tirer de l'accident de Fukushima. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a essayé de faire dans les évaluations complémentaires de sûreté. On ne s'est pas seulement posé la question de savoir si l'accident exactement en tant que tel était réplicable, parce que vous voyez, et puis d'ailleurs, ce n'est pas comme ça que ça arrive, c'est jamais, ça ne se répète jamais exactement de la même manière, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas tirer des enseignements. Donc, on a essayé quand même de tirer des enseignements à travers tout ce que j'ai dit, les diesels de secours beaucoup mieux d'abord doublés non sensibles aux tremblements de terre, aux tornades, etc., beaucoup mieux protégés, mais aussi des choses comme les forces d'action rapide nucléaire projetable sur le site pour ne pas se retrouver en fait avec juste une dépendance de ceux qui sont là, des choses de ce genre là. Est-ce que c'est parfait et est-ce qu'on peut faire mieux? Tous les systèmes de production énergétique ont leurs inconvénients et celui-là on a comme d'autres. Vous avez cité la question des déchets, pardon de vous dire, mais il y a une petite inconséquence. Je ne sais pas si c'est votre cas personnel, mais je crois que c'est celui de votre parti, à s'être tellement battu contre la quatrième génération et à pointer du doigt aujourd'hui le problème des déchets. Parce que je serais la première à dire que quand on utilise le terme recyclage pour parler de la filière des déchets, on ment. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il n'y a pas un recyclage, la filière n'est pas bouclée. Mais enfin, c'était aussi l'enjeu de tous ces travaux de recherche. Et donc, à un moment, il faut bien les avancer et trouver des solutions. Ça faisait partie du projet initial et je trouve que c'est quelque chose qui doit être poursuivi et qui doit être, qui doit être avancé. Sur la question du réchauffement climatique, je comprends très bien le problème que vous soulevez. Oui, une centrale, ça doit être refroidi. Je voudrais juste souligner, parce que je trouve que parfois il y a une ambiguïté là-dessus, que la quantité d'eau nécessaire pour refroidir et pour produire n'est pas la même. Alors, il en faut pour refroidir. Et un des problèmes à Fukushima, c'est pas qu'il n'y avait plus d'eau, par définition, il y en avait, mais c'est que les pompes étaient noyées. Donc, si vous voulez, il faut non seulement avoir de l'eau, mais avoir un système qui pompe et qui permet de refroidir. Mais la quantité d'eau nécessaire pour refroidir un réacteur qu'on a mis à l'arrêt en situation de crise ou d'urgence, c'est-à-dire qu'on a fait tomber les barres, on l'a mis à l'arrêt, la réaction s'arrête, il va falloir continuer à le refroidir. Mais c'est juste du refroidissement de quelque chose qui a été arrêté. Et la quantité d'eau nécessaire pour pouvoir fonctionner à plein dans la durée, elle est pas la même. Et en fait, quand on pose la question en termes de changement climatique, qui est un vrai sujet, on doit intégrer ça aussi. C'est-à-dire que le changement climatique, dans le cas de situation de nos réacteurs, n'est en général pas un problème de sûreté. Il peut être un problème de compétitivité au sens de production dans la durée, parce qu'il y a des moments où on peut être obligé de ralentir parce qu'en effet, il y a un problème d'approvisionnement en eau. Merci, Monsieur Dubois. Oui, Monsieur le Président, merci. Madame la Ministre, donc, je voudrais revenir sur le phénomène de
vous l'avez très bien expliqué. D'abord, vous remercier de toute votre toute la transparence, toute la sincérité avec laquelle vous m'avez tout au moins pour ma part bien éclairé sur vos fonctions, les décisions prises. Et je voudrais revenir sur ce que vous avez dit qui me paraît extrêmement important, notamment donc sur, on le voit bien en matière de nucléaire, on est dans des temps longs. Des temps qui sont avec de la recherche, de la nouvelle technologie, et ces temps qui sont beaucoup plus longs que les temps politiques, et notamment les alternances politiques. Et on voit bien que, on voit le dernier exemple, au 31 août 2019, l'arrêt du programme Astrid, qui arrête donc ce programme de recherche sur... C'est expliqué par, lors de la dernière audition, le directeur de cabinet d'Edouard Philippe, qui nous dit qu'avec la complexité de leur majorité politique et un coût qu'ils jugeaient trop important, et on voit bien que là, on a une réflexion qui est prise et une décision qui est prise plus par Bercy. Vous avez parlé tout à l'heure, et ça me semble important, d'avoir décloisonné certains ministères pour faire avancer les choses. Et on se retrouve où Bercy prend une décision d'arrêter un programme de recherche et finalement peut-être à long terme de faire que ça sera compliqué de trouver une souveraineté, et notamment après sur les matériaux certaines et l'approvisionnement, la résilience. Donc qu'est-ce que vous voyez maintenant, vous êtes on va dire sur un autre continent et on voit que suite à ça on a déjà une problématique de quel est le bon mix. Il va falloir sûrement, et je voudrais peut-être vous pourriez nous donner votre avis sur ce mix, quel est déjà se décider sur un mix et pouvoir donc lancer des programmes par une loi peut-être, programme donc et un temps long en rapport au nucléaire. Et ensuite, on sent bien qu'il n'y a pas de souveraineté, notamment énergétique, sans un appui fort de l'État, même si on voit bien, et vous l'avez dit, et je suis en accord avec ça, que l'État n'a plus suffisamment d'argent aujourd'hui pour assurer cette souveraineté. Il faut être intelligent et essayer d'aller... aller chercher donc des investisseurs qui permettent de rester aussi dans cette souveraineté, cette résilience nationale. On sent qu'il y a besoin d'un engagement national et d'État, sauf que on est au milieu d'un marché public de l'électricité, donc européen. Donc comment allier ces choses-là également entre, et on le voit en ce début d'année, où on est... presque à perdre notre souveraineté économique sur un coût de l'électricité qui est bien trop élevé, avec une obligation de marché européen. Et voilà comment allier les deux, et peut-être aussi comment aujourd'hui sortir provisoirement de cette obligation de marché de tarification européenne et perdre au-delà de notre souveraineté énergétique, notre souveraineté économique. Merci de votre réponse. Mais merci de votre question, monsieur le député, qui n'est pas facile, si vous permettez. D'abord, je peux dire que je suis d'accord avec vous avec la nécessité, sur la nécessité d'inscrire les politiques énergétiques dans le temps long et de les inscrire au-delà de l'alternance. Je vous dis, moi, je pense que l'arrêt de Superphénix, comme l'arrêt d'Astrid, était quelque chose qui a été dicté par des accords ou des équilibres politiques, et qu'en quelque sorte, en effet miroir, la décision accélère sur Flamanville, qu'on aurait pu travailler plus, et aussi une réaction de on le fait maintenant parce que la fenêtre, c'est maintenant. Et donc, dans tous les cas, on bénéficierait tous collectivement d'avoir des réflexions sur ce sujet qui sont moins crispées. Et qui débouche sur des choix collectifs partagés et inscrits dans la durée. Un choix collectif, au passage, ça peut être quelque chose sur lequel on n'est pas 100% d'accord. Enfin, il y a un compromis. On se met d'accord sur un mix. On se met d'accord sur un mix qui n'est pas forcément celui que l'un ou l'autre aurait choisi. Mais enfin, voilà, c'est comme la vie en collectivité. Et là, je trouve qu'on s'enferme sur les politiques énergétiques, sur des choses
idéologies qui sont particulièrement dommageables sur un sujet qui est celui du temps long et qui intègre par ailleurs des dimensions technologiques aussi compliquées et par ailleurs évolutives. Sur la question du bon mix, du coup, j'ai envie de vous dire, pour moi, le bon mix, c'est celui sur lequel on réussirait à être d'accord collectivement dans la durée et à tenir le cap. Donc, je ne vais pas dire que j'ai la vérité révélée parce que je viens de vous dire que c'est probablement quelque chose qui ne mettrait personne qui serait un compromis, mais l'intérêt, c'est que ce serait un compromis qu'on pourrait dans la durée. Moi, à titre personnel, ce que je pousserais en cohérence avec ce que je vous ai dit maintenant, c'est pour moi, le bon mix, c'est celui qui permet aussi de soutenir et qui est soutenu par une base industrielle nationale forte, qui fait sa place à des objectifs stratégiques, qui évidemment a son importance en matière de nucléaire. Concrètement, le bon mix, il a une base nucléaire pour moi, y compris une base de recherche qui permet de tenir sa place dans un concert international dans lequel la France a toujours eu une place singulière et ce serait vraiment dommage qu'elle le perde. Et puis, ce sont d'autres énergies et des énergies renouvelables et de préférence un accent porté sur celles sur lesquelles on peut développer de l'emploi et on peut mener une politique industrielle locale qui participe de notre compétitivité. C'est la raison pour laquelle j'ai tellement insisté sur l'éolien en mer. Vous avez cité le problème européen. Franchement, on en a peu parlé. J'ai vraiment l'impression que sur les politiques énergétiques, on s'est un petit peu laissé manger sur certains choix par les Allemands. Et comme les Allemands ont fait des choix énergétiques et ont une structure de production qui, en conséquence, qui à l'origine était déjà assez différente de la nôtre et qui n'a fait que diverger, voilà, les structures de production divergentes, ça fait des intérêts divergents. Et si on croit, comme moi, qu'ils ont mieux défendu leurs intérêts, ça fait une pénalisation pour les intérêts nationaux. C'est très clair. Et bon, la place ici, mais ils ont. Enfin, c'est pas comme si les Allemands en matière énergétique avaient fait que des choix formidables. Et je vous parle pas que du nucléaire. Par exemple, il y a quelques années, il s'est posé la question de savoir si on allait développer des terminaux méthaniers en Allemagne. Je crois qu'il y a eu une pression des Russes. Enfin, il ne s'agit pas de pression. Enfin bon, il y a eu des débats et en gros, les Russes ont expliqué et promis qu'avec Nord Stream 2, ce ne serait pas nécessaire. Ben, on voit bien le résultat aujourd'hui et on est heureux en France d'avoir plus de capacités de ce côté-là et par ailleurs des bonnes capacités de stockage stratégique. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une bonne ou une politique, une bonne ou une mauvaise politique, c'est des politiques assez différentes et en l'occurrence, il y aurait bien des critiques. Parfois, on se flagelle un peu sur la nôtre ces derniers temps. Il y aurait bien des critiques à faire sur la politique énergétique allemande. Mais il y a un problème qui est que c'est des politiques qui sont très différentes, qui ont plutôt eu tendance à diverger. Et si on considère comme moi que le dispositif européen a plutôt penché sur ces sujets du côté de l'intérêt ou en tout cas de l'oreille prêtée ou de l'attention prêtée à la structure de production allemande, et bien ça dit bien en creux qu'on y est un peu perdu. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Je vois qu'on a fait le tour des questions que notre commission d'enquête avait à vous poser. Merci beaucoup pour votre disponibilité depuis New York. On a vu progressivement le jour se lever derrière vous. La journée de travail commence. La journée de travail commence. La nôtre est déjà bien entamée. Merci beaucoup pour votre disponibilité, pour la précision de vos réponses et pour les éclairages que vous avez apportés à nos travaux parlementaires. Votre rapport sera rendu public. Et d'abord, quand est-ce qu'il sera disponible? Est-ce qu'il sera disponible tout simplement? Est-ce qu'il va il sera accessible ou ça va Alors, être quelque chose? On espère que donc c'est une commission d'enquête. Donc les travaux de notre rapporteur seront soumis à la commission d'enquête qui décidera de sa publicité tout début avril. Formellement, pour respecter le cadre juridique, vous voyez. Je vois sourire le rapporteur.
Oui, j'espère produire un rapport qui passera au moins le cap de la publication. Écoutez, on ne me demande pas mon vote, mais il irait néanmoins dans le sens de la publication et j'espère beaucoup pouvoir le lire. Je me permettrai d'évoquer votre soutien au moment du vote. Alors, Madame la Ministre, je vous remercie. Bon. Merci beaucoup, à vous, Madame la Ministre, et bonne journée à vous. Au revoir.